User entered your channel. Salut. Salut, ça va? Ça va. Je me croyais à la bourre, puis finalement non. Bah, comme d'habitude, hein, c'est... J'ai même monté mon yaourt au bureau, tu vois. Et mon verre de pinard. Ouais, t'as bien raison. Ah, j'ai un peu plus. On a mangé des pizzas maison, là. À faire la pâte maison et tout, là. Je me suis gavé. Enfin, gavé. C'est bon, mais ça bouche un trou, quoi, un peu. La pizza, quand même. Salut. 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 User entered your channel. Soir. Salut. Hello. Faut mettre à jour. Moi j'ai mis à jour. D'accord. Il y avait une mise à jour qu'il n'y avait pas il y a. C'est ça. Il y a 10 minutes. Enfin, pas il y a 10 minutes, mais avant manger quoi. Ouais. Bon bah, trop tard. Alors, avant manger, quand tu parles à Vincent, c'est une notion un peu floue. Hein. Bah, moi aussi, je suis en train de finir, tu vois. Notion un peu floue, absolument pas. On est bah, timé. Il mange toutes les 30 minutes donc. On est timé chez nous, arrête. Hein. On est timé toutes les 30 minutes. Non. J'étais obligé de me presser, quoi, tu sais. Et bah, en plus, là, le petit a été couché tard, donc je termine mon verre et je passe au dessert. Le combien de dessert? Ah, bah, le premier, parce que. J'ai cru que t'allais dire le combien thème de verre. Non, c'est... il est pas très nombre de verres, lui, il est plutôt nombre de desserts. Non, ça va aussi, en revanche, ça se discute. Non. Nombre de desserts. Ah bah si t'es passé en nombre de verres aussi, t'as changé quand même. Bah, on a trouvé un petit caviste sympa, c'est juste qu'avec le confinement, c'est un peu chiant d'avoir des vins, mais... À la vôtre. Ouais, à la tienne. Et non, c'est... Puis on a des bons fromages, alors ce serait ballot de... C'est pour pas gâcher. Ah oui, ça se marie bien, hein. Et après, oui, effectivement, mais le plus dur, là, en ce moment, c'est vraiment, il n'y a plus aucune pâtisserie qui est ouverte, c'est une torture. Ah non, mais c'est terrible. Et les boulangers qui arrêtent pas de gueuler parce qu'il n'y a plus personne qui leur achète de la pâtisserie. Alors... Mmh. Non, mais... Non, mais la pâtisserie chez les boulangers, c'est de la merde. Oui, mais j'allais te le dire. C'est... Limite, c'est de l'industriel. C'est une tarte au citron que le mec, il a acheté à Métro, qu'il avait décongelé. Entièrement d'accord. Trois fois le prix. Entièrement d'accord. Non, c'est pas ma faute si vous avez de mauvaises boulangeries, hein. Ouais, bah... Ouais,
Bonsoir. Bien, bonsoir. J'ai un spécialiste des choux à la crème. C'est une torture. Là, j'attends qu'il rouvre. Juste qu'il rouvre. Tu l'as enregistré, Steph, j'espère. Ah ouais, c'est enregistré. On va voir un best-of. Je crois que. Ouais. Et est-ce que tu te souviens du Paris-Brest de chez Louchébem? Salut. Oui. Eh ben, j'en ai trouvé deux meilleurs. Je peux t'assurer qu'il y a un Paris-Brest. Alors, il a parcouru trois fois Paris pour y aller. Non, on visite, en fait. Il y en a un à Fous de la pâtisserie, mais c'est une tuerie. Et t'en as un autre, le pâtissier, c'est Yori Moish, comment il s'appelle déjà? C'est le japonais, là. Ouais, c'est la première fois, ouais, Mori Yoshida, ouais. Un Paris-Brest. Avec le praliné et tout, avec un petit zeste de citron, c'est tellement bien fait. Putain, mais c'est une tuerie. Il y a deux doigts de l'érection quand il dit ça, quoi. Oui, complètement. Pourquoi non, non. Attends, je vais mettre la caméra. Attends. Justement, il n'a pas mis la caméra encore. Non, mais ça me manque vraiment. Hein. Ça, c'est vraiment douloureux. C'est douloureux. C'est de la torture. C'est de la torture. Ça m'a dit gâteau. On était quand même à petit gâteau, 4 gâteaux par semaine. Les tortures chinoises étaient les plus efficaces, mais non. Enfin, il voit pas. Steph, il y croit pas. Il a pas du diabète. Non, je n'ai pas de diabète. Là, je suis aux pommes. Je tourne aux pommes. Aux pommes et aux madeleines. Il tremble dans la pomme. Bah oui, forcément. Non, mais la pomme, c'est pour la fibre, et la madeleine, c'est pour le plaisir. La vache. À la vôtre. À la tienne. À la tienne. Écoutez, moi, j'ai un petit cote catalane 2015. T'as raison, Vincent, t'as raison. Ah, ça doit être sympa. Il est très, très bon. Ah, ouais. Ils font aussi de la merde, hein, mais celui-là est bon. Oui, non, mais le but, c'est de trouver celui qui est bon, ça, c'est sûr. Non, mais là, on cherche les sites qui vendent des petites charcuteries, des petits fromages sympas. On a que ça à faire. Donc... Les sites, c'est Star Wars. Tu fais quoi là? Tu veux nous prouver qu'il fait un corbeau à Mantes? Bah, qu'il fait encore jour. Et que chez vous, il fait. Ouais, il fait jour, hein, j'ai fermé moi. Ah, bah oui, toi, t'es à l'ouest, hein. Ouais. Donc, il fait nuit déjà. C'est ça. Ouais, il fait nuit. Alors que moi, regarde, il y a encore du soleil. Et ouais. Pas du soleil. Non, de la luminosité. Non, il y a du soleil. Du soleil en Bretagne, ça s'appelle la luminosité. C'est faux. C'est les rayons qui arrivent à traverser C'est faux. C'est un filtre. C'est faux, ça. Enfin, quand on dit la Bretagne. C'est les ondes, ça, c'est les rumeurs. Si t'as du soleil à Nantes, c'est que Nantes, c'est pas en Bretagne. Ouais, c'est ça. C'est la preuve absolue. Il va y avoir TPK ce soir, à mon avis. Moi, chez Louis, il fait nuit. Merde, j'ai oublié de prendre. Mais non, il laisse les volets fermés. Mais non, regarde, il fait nuit. Ah ouais, j'ai pas pris les caramels. Bon, il fait nuit aussi, mais il a ses volets fermés quand même. J'ai pas pris les caramels. Alors non, ça, non, mais c'est rien. C'est en plus des madeleines. Il y a 20 minutes encore, il y avait encore du soleil ici. Enfin, du soleil. C'est affreux. C'est affreux. Ah mais oui, non, c'est affreux. Pas affreux. Non. Si, c'est affreux. C'est affreux. T'as pas de diabète, c'est affreux, quoi, putain. Non, et c'est une bonne chose. Mais c'est pas parce que t'as du diabète. Bon, t'as vu, je savais pas si j'allais me faire casser ou pas, mais finalement j'ai eu l'aval des deux auteurs de Joan of Arc. Ah, pour le roule 7 chez mes bio, je l'ai posté. Ouais. Je dis, tiens, on va voir, ils vont me demander de tout effacer. Non. Je me suis dit, mais non. C'est bon, c'est Julien Dutel et Thomas Robert. Non. Vincent, arrête de te justifier. Non, c'était bien ça. Oh. Bon, j'ai pris les précautions d'usage quand même. Hein. Ouais, j'ai pas mis le texte. J'ai pas mis le texte de la campagne. Ouais, monsieur, j'ai mis que ça. Ah, t'as ouais, fait... c'est bon, il y en a que 4. T'as juste fait le rule set. J'ai tout mis sauf le texte du scénario en fait. Quand tu fais tout mis, c'est-à-dire. Bah parce que j'ai fait le thème. Ouais. J'ai fait ce qu'a mis Louis là, hein, d'effacer les critiques. Oula, oui. J'ai fait l'extension, enfin la petite truc, ça rajoute des 10 aux critiques. Ouais, ok, d'accord. T'as fait le système de jeu quoi. Ouais. J'ai fait le système de jeu, genre expliqué comment mettre les vertus là. Ouais. Et puis après, si quand même, j'ai quand même fait les 4 classes de perso, scriptées entièrement. Ouais. Les dons. Ouais.
Et après, le seul truc, je les sors, les sors. Après, si ça passe auprès d'eux... Ouais, à mon avis, ils vont pas tout fouiller. Mais au contraire, ils m'ont remercié, donc. Ouais. Et ouais. Ça fait peut-être évoluer les mentalités enfin, tu vois. J'ai l'impression. Ouais. Ils sont ils se rendent compte que plus c'est un vecteur de vente qu'autre chose, quoi. Ah bah... Oui, oui. Clair. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est comme le PDF. Ouais, de tout dépasser. Ouais, mais... PDF, ça peut simplifier les choses aussi s'ils commencent à se dire que on peut monter des tables virtuelles pour pouvoir jouer jeux de rôle, etc. Oui. Ah, j'en ai rajouté une couche parce qu'il y a plein de mecs qui disent ouais, Héros et Dragons, est-ce qu'il y a des trucs en français sur Fantasy Grand? Alors je leur ai posté une belle photo du rule set sur lequel on joue Invincible, mm-hmm. avec toutes les classes de perso, les sorts, la totale. J'ai dit oui, tout existe. Mais on peut rien partager parce que tu comprends, les éditeurs français ne s'intéressent pas du tout aux tables virtuelles. Ouais. Et à part les feuilles de perso, il n'y a rien de traduit en français. Sinon, tu fais comme Pax Elfica, il a fait sur JDR virtuel. C'est-à-dire, j'ai tout mis. Si vous me prouvez que vous avez le bouquin, je vous le fournis. Ça, bon, c'est toujours ça. Ah, sur hein. Quoi, sur les PDF Non, ouais. Mais sur le rule set Fantasy Ground, il a tout mis, toute la campagne Pax Elfica sur JDR virtuel, si tu vas voir. Ah oui, j'ai pas été voir... J'ai même pas vu ce message. Ouais, j'ai pas vu ce message. Et pourtant, je l'ai... Et pourtant, je regarde. Et pourtant, j'ai la campagne aussi Pax Elfica, même si je l'ai pas du tout lu parce que j'ai pas eu le temps. Demandez à Gaël ce qui se passe sur le net. Il connaît tout, lui. J'ai une tour de veille. excusez-moi, je reviens. Non mais, mais c'est le seul, c'est il le revient, premier il, à faire il va checker tous français. Les blogs. C'est le premier éditeur à faire quelque chose en français. Il va checker ses serveurs. Parce que tout ce qui existe sur table virtuelle, il n'y a que de l'anglais. Il n'y a aucun éditeur français qui a fait quoi que ce soit. Jusqu'à présent. Ouais. Ah, quoi, sur Fantasy Ground Fantasy Ground, Roll20, tout. Ah oui, oui, oui. Bah, aucun oui, parce éditeur, que c'est... Qui... personne n'a jamais rien fait. Ça se vend mieux en anglais, hein, hein. Ouais, mais c'est... C'est pas ça, c'est qu'il faut, faut si, les convaincre. Non, faut non, convaincre non. Faut les convaincre qu'en fait les pratiques évoluent et que le jeu de rôle sur table c'est mignon, mais passé un certain âge, t'as plus le temps de le faire et que c'est plus facile d'organiser des sessions et que ça peut générer des ventes. Mais bon. Et tu fais une étude de marché sur sur une VTT française, tu vas voir, il y aura personne hein, ou pas beaucoup de gens. Et tu l'as eu où ton poste là sur Pax Elfica, ça y est pas. Ouais, je sais pas, faut demander à... C'est vrai que le déclic, c'est que ça peut déclencher des ventes. Si on reste confiné encore un ou deux mois, c'est bon. Parce que je sais qu'ils y jouent, puisqu'ils font un actual play sur Pax Elfica, je crois. Et donc j'ai vu effectivement des captures d'écran où on voit les cartes de Pax Elfica, mais j'ai pas trouvé. Je m'excuse. Ça peut faire de la pub. Mais j'ai lancé la mise à jour de Fantasy Ground en arrivant et elle met 20 ans à se faire. Hein, parce que j'ai une petite connexion. Alors tu devrais couper et relancer parce que c'est quasiment instantané. Hein. Ouais, c'est vraiment une petite. Oui, ce qui télécharge, hein, c'est des packs et c'est pas grand chose. C'est le pack de. Starfinder. Si ça te met une plombe, c'est pas normal. Hein. C'est pas l'exécutable qui met à jour. C'est juste les zips et c'est. Non, non, j'ai une petite connexion. Si vous voulez, les webcams, moi je les vois plus. Hein. Enfin, mais nous on le voit bien, non. Ouais, non, non, mais même. J'ai fini Tomb of Annihilation mardi. Ah, GG. Parce que ils ont failli tous mourir. Ça c'est sûr. Ça s'est joué, mais à pas grand chose. Gaël les aurait tués. Hein. Gaël, il les aurait pas laissé passer niveau 1, hein, de toute façon. Enfin, niveau 2 plutôt. C'est les modules du père Aplo, et tu descends pour. Ah, mais c'est pour Unity, pardon, j'avais pas vu. C'est dans Unity, c'est ? Ouais, pour FGU. Module, Pax Elfica, guide du joueur, les supplément. Si d'accord, c'est peut-être une autre taille et j'en sais rien. Ouais. C'est dans quoi? C'est dans les rule set? Non, là je t'ai mis le lien, là, c'est les modules du père. Donc il a mis le rule set, extension, module, et pour FGU, module. Donc après, je sais pas si ça vous intéresse. Ouais, il y a une extension, des modules. DMG, Pax Elfica complet, map avec l'os, PNJ, item, sort, feed, token, table aléatoire, story complète, quelques maps supplémentaires pour le civil et les rues. La vache, il bosse, lui.
Donc tu, si tu descends, tu vois qu'il le met, je sais plus où, que bah s'il y en a qui le veulent. Ouais. Faut lui envoyer un message. Et c'est qui, c'est le paraplomb qu'il faut au PM? Ouais, je suis relou, mais je demande des preuves que vous possédez les livres, les auteurs prennent du temps, ils méritent leur brosouf. Voilà, bon. Ah oui, d'accord, mais c'est pas le truc officiel, quoi. Ah non, 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 c'est pas officiel, hein, du tout, hein. C'est le père Aplo qui fait. Pardon, je. Mais. Je me suis mal exprimé. FGU est utilisable, enfin, je l'ai récupéré par curiosité. On peut jouer avec ou pas? Ou alors c'est toujours le bordel? Oui, c'est tout à fait jouable. Mardi, on est passé sur FGU pour jouer au retour du Seigneur des Runes, donc ça marche bien. Ça fonctionne très bien. Il y a juste des extensions avec lesquelles on a l'habitude de jouer qui ne fonctionnent pas parce qu'elles n'ont pas été compilées. J'essaie encore avant de. Alors déjà, Steph doit être déçu. Il n'y a pas le truc pour de triche de manie jeu. Il est pas. Ah, il n'y est pas. Ah, quel dommage. Bon, on va rester sur FG3, les gars. Hein. Par contre, il n'y a pas celui qui permet de lancer les dés, enfin d'envoyer le test à tout le monde. Ouais, bah ça c'est un peu dommage. On s'en passe. Parce que c'est pas du tout compatible dans ces cas-là. Ça demande pas une adaptation minime? Si, il y a une adaptation qui est minime, mais je l'ai pas trouvé. Moi, par exemple, cette extension-là, je l'ai, mais il y a un bouton qui n'apparaît pas. Le bouton juste quand tu. Où il y a les PJ qui apparaissent, en haut, et le bouton sur lequel tu appuies pour. Tourner le test à faire au joueur. Le request roll. Voilà, le request roll qui apparaît. Ça, c'est pas. Un peu gênant, ça. Et sinon, si, mais c'est que j'y connais rien. Il y a des choses certainement à faire, c'est juste que j'y connais que dalle. Après, la personne qui a fait l'extension, si tu veux, ça date, quoi. Donc du coup, ça se trouve, elle joue même plus, voilà, quoi. Ouais, c'est toujours un peu pareil, hein. Oui, elle n'est pas encore passée à FGU, hein. Ou elle n'est pas passée à FGU. Hein. C'est l'avantage d'être sur des plateformes. J'ai pas le temps de regarder pour l'instant. Il y a toujours quelqu'un pour reprendre le code, mais pas dans ce cas-là. C'est ça. C'est le truc. Ok. Ça y est, il a fini de télécharger. Mm. Je lance le stream. Néanmoins, je trouve que FGU est moins cher que, en tout cas, les licences intermédiaires. Qui permet d'accès. Avant, hein. Ah bon? Bah, avant, ça me paraissait, puisque ça me paraissait beaucoup plus cher pour pouvoir avoir tout, alors que là. C'est vraiment, t'as vraiment pas besoin de l'ultimate en fait. Avant non plus. Si t'as pas l'ultimate, tu peux pas faire jouer des gens qui ont pas la version clé. Si tout le monde avait une clé joueur, la clé MJ suffit. Mais comme la plupart des joueurs ont rien acheté, c'est les grosses feignasses. Je parle pour mon groupe, je parle pas pour vous, j'oserais pas. Mais comme mes joueurs, c'est les grosses feignasses qui achètent jamais rien, machin. Ouais, je me rattrape, hein. Rigole pas, Louis. Chez eux, je leur bois leur pinard. Voilà, c'est ça, t'es payé en pinard, hein. Voilà, je mange. Mais voilà. Pourquoi rigole pas, Louis? C'est merdé. Ouais, mais FGU standard. Il y a 16 ans, à peu près. FGU standard, de ce que je vois, tu peux inviter, enfin, héberger le jeu en standard ou en ultimate. Host game for demo player, c'est. Steph, il re-télécharge extension / decal.underscore.php.ext. Non, mais c'est parce que t'as fait des trucs. Hein. Non, c'est juste que j'ai une connexion en mousse, que là, avec le confinement, je suis en train de me foutre une balle, moi. Douloureux et. Si tu veux, pour le PC du boulot, je partage ma connexion en 4G hein, l'après-midi. Parce que ça passe plus vite. Hein, d'accord. Donc toi t'es prêt à passer à la 5G en fait? Moi je suis prêt à payer un mec d'Orange pour qu'il vienne. Je suis dans le cas de Thomas. Tu vois, Allez bien, après sais. Confinement. Je fais une place à la cave s'il faut. Je fais les travaux. Je creuse si vous voulez, y a pas de problème. Je creuse si vous voulez. Voilà, à la pioche. Je fais les tranchées s'il faut, mais mettez-moi de la fibre. On peut pas, le Grand Paris, tout ça. Allez, je vais commencer par la pomme. Je suis à combien? Tiens, je vais regarder. Ça Vincent. Oh, c'est avec un peu de caramel dessus. Non. Non? Non, mais les madeleines au goût caramel sont vraiment très bonnes. Voilà, je télécharge en réception 328 kilobits.
hein, donc autant te dire que c'est... 328... Attends, faut que je divise par 8. 8, voilà, je suis même pas... Ah oui, 328. Oh là 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 là. Oh là là. Même moi j'ai plus. Eh mais t'es en mode MRTC en fait. Non mais il est en mode qu'il y a tout le monde sur sa connexion aussi. Ah ouais. À partir de 11h, je suis tranquille, le soir. 23h, 23h30, jusqu'à 13h30. Confirme. Ah ouais, quand même. Ah bah ça laisse 10h quand même, un peu plus de 10h. Un peu plus. Donc t'as arrêté de dormir, c'est ça? Il a jamais dormi. Bah disons que je suis repassé au PC qui reste allumé toute la nuit, quoi. Mais juste pour télécharger des trucs officiels, quoi. Enfin, pour faire des mises à jour. Merci Gaël, j'avais oublié qu'il y avait Casus qui était sorti. Ah mais ça venait de sortir. Ah, je venais de terminer ma journée de boulot, j'arrive, je fais oh Casus. Donc j'aurais pas dû lancer la mise à jour. Ouais. Et qui c'est qui massacre son clavier là? C'est moi, Franck. Ah d'accord. Ça se voit à la webcam et si tu vois personne à la webcam, c'est Antoine. un jour il aura... Non mais pour l'instant je vais pas me lancer dans l'achat d'un écran, si jamais j'ai un problème je vais avoir du mal à le renvoyer, donc je vais attendre un peu. Tu vas avoir du mal à quoi? À le retourner si jamais il y a un souci et qu'il faut que je fasse fonctionner le SAV. Oh. Bah, c'était un problème pour le retourner, c'est que c'était un très grand écran alors. Alors que moi, tu vois, les livraisons Philibert, j'ai pas de soucis. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est vrai que j'avoue que pour Fantasy Ground, c'est carrément une télé 4K qui vaudrait qu'un écran, quoi. Bah, je sais pas si je fais cancel, là. Hein, c'est Colissimo, des livreurs, je me demande s'ils réfléchissent beaucoup. Il y en a un qui a réussi à défoncer la boîte aux lettres et à la laisser ouverte. La boîte aux lettres, tu sais, la clé de toutes les boîtes, enfin du panneau des boîtes. Enfin, je sais pas, au niveau du cerveau, ça devait pas bien fonctionner, mais enfin bon. Le colis est explosé, mais bon. Moi, c'est rigolo parce que tu sais, je suis dans une petite rue. Et donc la poste me prévient, attention, on vous fait pas signer, on reste à distance, on prend juste une photo quand c'est en sécurité, enfin quand c'est déposé à un endroit. Donc ça sonne, le temps que je mette une paire de tongs et que j'aille jusqu'à la porte, le gars il était à 60 mètres je pense. Il y avait les deux colis devant la porte d'entrée, le gars il se regardait avec des jumelles. Et il faisait ça avec la main. Okay. À distance de sécurité, hein, c'est ça. Ah ouais, bah, 60 mètres. Ça commence à faire beaucoup, j'étais mort de rire. Ils ont un peu peur, hein. Ils se sentent un petit peu. Bah ouais, non, mais après, je... Pleine, après, je vais pas, tu vois, je vais pas non plus, mais c'était rigolo. Ouais. Ils manipulent des cartons, tu sais pas qui les a touchés et tout avant. Enfin, bon, bah oui, ouais, t'as mine de rien. Bon, oui, oui. Ils sont payés avec un lance-pierre. On est d'accord. Et ils seront toujours payés avec un lance-pierre. Hein. Oui, il faut pas rêver. Hein. C'est pas... Ils vont pas augmenter les prix parce qu'il y a le corona. Ça, c'est clair. Ah bon, ils bénéficient pas de la prime. La tu prime crois que corona. Eux, non, ils peuvent se la mettre bien profond parce qu'ils sont en CDD et que. Bah oui. Mmh. Ah, oui, oui. Bah, c'est ça. On est d'accord. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Il y en a beaucoup après parce que là, je suis à DD, PHP, Deluxe, point mode. Aucune idée, ça passe trop vite pour nous, on le voit pas. Ton rouloir est désagréable. Oh là, tonne. T'es en train de tout télécharger chez moi, là, c'est ça? Non, c'est la mise à jour de Fantasy Ground. C'est la mise à jour qu'elle a. Non, ça n'a aucun rapport avec ton... Oui, non, ça n'a aucun rapport avec, ça va avec toi. Hein. Ouais, je peux t'assurer que chez moi, il n'y a personne qui utilise Internet, là. Ils ont interdiction. Entre 21h et 23h30... Bah, normalement, ils sont tous couchés à cette heure-là. Oui, bien sûr. Alors, comment dire? On les laisse dormir tard le matin. Parce qu'on est tranquille, on peut bosser. Ouais, enfin. Et on paye le soir. Mais demain c'est week-end. Ouais, mais c'est vacances, hein, je te rassure. Oui. Bon, il y a des profs qui n'ont pas compris, hein, mais ça, c'est un autre problème.
Ah, il y a des profs qui bossent pendant les vacances. Il y a des parents qui se rassurent en se disant « Ah, ça y est, ouf, c'est les vacances ouais. !» Puis ils reçoivent quoi ? On reçoit des devoirs de vacances, c'est quoi ce bordel ? Non, c'est même pas ça. C'est que nous, on pensait « Ah, ça y est, c'est les vacances, on va pouvoir rattraper le retard. » Parce que... Et ben non, les profs, ils continuent d'envoyer tous les jours. Mais tous les jours, hein. Tous les jours. Ah bah, c'est pour occuper si jamais il y a un Sauf que c'est pas devoir du jour, c'est révision du jour, tu vois. c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ils se disent, ça y est, on peut prouver aux parents qu'on bosse aussi, nous. C'est ça. Mais franchement, après là, tu vois, il y en a qui sont t'en as qui sont bien, et d'autres, tu vois. Que c'est... Ils sont comme tu le pensais, c'est ça. Ouais. Puis t'en as qui essayent de bien faire, tu sais que c'est des bons profs, et l'outil numérique, c'est pas leur truc, quoi. C'est clairement pas... S'adapter par rapport à ça, il y en a, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, de ton côté, Franck, comment c'est, mais... Moi, je vois les profs de... Voilà, ok. Les profs de ma nièce, ça va. On sent le balèze. Mais la mère de ma nièce, tire ma sœur, non, ça va pas. C'est les parents que ça va pas. Ah, les parents, ils sont pas profs, hein. Enfin bon... Ouais. Non, bah, l'informatique, c'est pas ça non plus. Et puis le téléphone, de toute façon, c'est pas ça non plus. Il y a pas grand-chose qui... Ah, reparti dans les Alors là, j'ai connecting, Stéphane. Théoriquement, tu devrais me voir arriver. Oui, Bacta connected. Ouh. Alors là, ça a changé d'écran. Ah, c'est. Oui, faut souffrir. Hein. 1987, je découvre Internet. Ah, c'est ça. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Donc, non, je ne suis pas un parisien qui s'est mis au vert, très loin de toute connexion. Ce qui est marrant, c'est que c'est le plus geek qui a une connexion de merde, quoi. Ouais, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là, ouais, c'est ça. Ça dépend où. T'as revendu ton Minitel ? Ah non, au cas où. c'est vrai qu'elle est loin, là. L'époque où t'avais deux connexions au cas où. Eh ouais. Donc, le coronavirus. Bah ouais, mais il y a un moment. Aïe, Victor. Ah non, toi, j'ai parlé trop vite. Elle est pas venu ou il est pas venu ton copain ou ta copine Steph, c'est pas y a pas quelqu'un qui devait venir là sur cette partie? Non, ah non, c'était c'est sur l'appel du Toulouse, mais ce sera beaucoup plus tard en fait, parce que pour le moment avec Covid bon bof. Bah si, c'est le moment, si. Pas trop le rapport, mais si t'en vois un, c'est qu'il y en a un. Ah, ça y est, Ferrari Argent est arrivé. En plus, c'est instantané. Ferrari Argent. C'est fou, ça. Il fait là. Bon, bah, vu que t'es arrivé, tu peux passer au verbe. C'est ça. Ah, oui, c'est vrai qu'on s'était tapé. On avait un peu tapé. Je suis mort ? Non, mais non, t'es vivant. Il est où le Goliath, là, qui fout rien ? Le Goliath, il t'a sauvé la vie. Hein. Attends, le Goliath, la dernière fois, il a réussi à toucher une fois. Ah ouais ? C'est la première fois depuis le début du scénario. C'est pas ma faute si tu t'es mis entre le moi et l'ours, hein. Après, bon, voilà, quoi. Mauvaise idée. On est bon, là, ou pas ? Ouais. Oui. On est super bon. Okay. Pas jusque là. T'étais au courant, Stéphane, qu'on avait récupéré donc les plantes qui nous intéressaient. Oui, on a déjà cueilli. Hein. Ah bon ? En tout cas, tu nous as interrompu en pleine action. Oui, il y avait des plantes juste à côté des ours. Ouais, voilà, on était en train de le faire. Hein. Les ours étaient en train de se gratter en fait au Jacques. Oui, ça tombe bien. Sont barrés, dès qu'ils sont barrés, on s'est précipité pour qu'ils... On s'est précipité, exactement. Ok, oui, rien. Bon, alors, c'est notre... La session 19, toujours Aventure à Port-Liberté, et Fier Argent a toujours...
du mal. On t'a pas besoin de préciser, il l'aura jusqu'à la fin de la campagne. Ouais, c'est bon, j'ai fini de taper. C'est pour me faire comprendre que le mien il faisait du bruit. J'ai bien compris. Donc ça nous fait la deuxième plante à trouver. Les taquins aussi. Peut-être dire pourquoi vous êtes en train de rechercher des plantes. Non, on le sait, c'est pas nécessaire. Ouais, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Pour une recette de fou donnée par la druide. Oui, là, pour retrouver la mémoire. Donc, la recette est juste hallucinante, mais c'est pas grave. Ouais. Elle a sorti en même temps que, en fait, se souvenir de la recette, parce qu'il fallait s'en souvenir. Voilà. Donc, là, c'est la mémoire, là. C'est Ujak et Keraben qu'on va trouver autour du village des gobes et grottes, de l'étain. Qu'est-ce que t'as dit là au niveau des plantes là? Keraben? C'est pas grave, là. Non, il y a du, de la trouver. Du Ujak, du Sedin. Non, Keraben. Et du Keraben. Ah, c'est du Keraben. Ouais, bah Keraben, Keraben, ça revient au même. Ouais, bien sûr. On en reparlera quand tu devras faire la. Ah, mais moi je suis pas alchimiste, hein, moi je suis. Ouais, bah, tu vas voir, c'est marrant. Je sens qu'on va me refiler de. C'est vrai qu'on pourra refiler ça à un médecin, quoi. Ouais, c'est clair, un professionnel. Oh, mais il y en a pas. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Alors. Alors, 19ème. Paf. Tu pourrais mettre la carte, s'il te plaît, Non, l'autre, la carte globale avec les trois villages des gobelins. Tout à l'heure. Ah, pas maintenant. Bah, parce que je cherche un truc et que, toi, j'ai qu'une main. Nous avons rencontré Agenar. Il nous a donc renseigné sur ce qui se passait aux alentours. Il avait communiqué avec les trois villages des. Ah. Antoine, il est parti. Antoine. Voilà. Et mort de vivre. 9h30, Antoine. 10h30, Stéphane. C'est ça. C'est le timing, hein. Ah, il dit timing, ouais. Planifier tout ça. User joined your channel. Bonjour Antoine. Ça m'a refait comme la dernière fois, t'es une speak qui a planté. Ah, bizarre. Au moment où t'as appuyé sur la grande croix rouge, c'est ça. Alors, je vous rappelle, on parle pas la bouche pleine déjà, Vincent. Hein. Elle est vide, d'ailleurs. Remplis-la, comme ça je pourrais parler. C'est ce que j'allais faire, je me tâte. Du coup, on a effectivement. On avait les ours. Deux plantes à récupérer, le Ujak et le Keraben. Keraben. Ouais, et de la poudre aussi. Et en fait, le Ujak, en fait, c'est une plante grimpante, donc vous pouvez effectivement voir que. Que cette plante en fait entoure un arbre en fait. Et c'est de cet arbre en fait qu'était en train de se frotter l'ours. Ouais, enfin c'est la. C'est, ça, c'est sent, la... ça sent. La sève. Effectivement, ouais, ça sent en fait. Ça sent le jasmin. Tu me l'avais dit. Plante grimpante, blanc, rosé, comme jasmin. L'odeur du jasmin, c'est parce que l'ours parfumait ou. Non, c'est parce qu'il y a des fleurs en fait. Qui s'échappe de la plante grimpante et ça fait une odeur effectivement assez parfumée en fait qui ressemble beaucoup à du jasmin. Et la deuxième plante, c'est une plante plutôt vivace qui fait plus d'un mètre de haut fleur en grappe jaune vif. C'est ça, fleur de couleur jaune vif. Ouais, c'est ça. T'inquiète, on a tout noté. Et effectivement, vous êtes fait attaquer par deux ours qui étaient présents dans ce lieu. Alors, qui était, juste aucun. Qui était plein, juste fier argent. En fait, vous apercevez que tous les arbres du coin là sont effectivement remplis de Ujak, quoi. Que vous pouvez d'ailleurs récupérer.
Et celui du dessous, là en bas, le jaune vif, c'est pas du Kiraben? Non. Non, mais y a pas tout sur 10 mètres carrés, non plus. Bah, c'est dommage. En règle générale. Non, le Kiraben, faut aller au. Ah, du côté de l'étain. Ouais, il faut aller aux cavernes des. C'est ça. Là, aux cavernes d'étain. Il faudra penser à fuir hein, si jamais il arrive, parce que bon. Je vous remets la carte. Non, tu vas te battre cette fois-ci. Oui, l'autre, oui. On n'a pas le niveau. Ça nous changera. Non, ça nous changera, je t'en foutrais, moi. Non, on n'a pas assez de potions de soins. En plus, je vous rappelle qu'on devait récupérer plein de trucs, et là... On devait récupérer plein de trucs. Ah bah, des potions de soins. Ah bah oui, des potions. On a 24 heures de retard. Donc, on pourra en acheter que plus. Pas sûr, hein, l'argent se dit pas... Ouais. Là, je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup avec des gobelins et des étains. Hein. Ah, il se passe. Qui c'est qui lève le rideau de fer, là? C'est Antoine qui... Non, pas moi. Et un café. J'ai pas bougé. Ah, c'est peut-être ça vient de chez moi, peut-être, mais j'ai pas bougé. Mais moi, j'ai rien entendu, donc c'est pour ça que je dis ça vient peut-être de chez moi. Parce... Ah. Oui, c'est un indice. C'est un indice, normalement, celui qui entend pas. C'est le doigt, il indique là où on est ou pas du tout? Oui. Ici. Ah. Non, c'est les petits trucs bleus noirs. C'est vrai que t'aurais pu les mettre encore plus petits, Stéphane, parce que comme ça... J'essaye d'agrandir. Ou tu les mets en rouge. C'est bon. C'est un écran plus grand. Donc, je propose qu'on aille par là. Par là. Où, par là? Bah, là où il y a le trait blanc. Ouais, on n'est pas obligé d'aller jusque là, mais... Non, mais on peut aller dans Il faut qu'on aille encore plus De toute façon, on suit notre guide, et notre guide, c'est Jackan. C'est ça. Bon, Jackan, on va par là. De toute façon, c'est la direction dans laquelle on va, oui. Est-ce qu'on va jusque là? Je sais pas. Non, mais chercher des plantes jaunes. Oui, on va pas chercher l'étain. Il y a un herboriste dans le coin, là, qui pourrait nous guider? Oui, on a Zardrix, qui fait office de tout et de son contraire. Alchimiste, herboriste, médecin. C'est-à-dire qu'en fait, il est herboriste quand il faut être médecin, il est alchimiste quand il faut être herboriste. Et, Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que tu as besoin de te d'une petite une petite potion de soin fier argent? Pourquoi faire? Ouais, pour pouvoir être moins blessé. Mec, à chaque fois on insulte Bahamut. Mais non, Bahamut. Non, on garde là pour l'instant. D'accord. J'avais pas fait deux sorts de soins. Mais justement... c'est pas une victoire... Moi, je t'avais fait un sort de soins, déjà. Ouais. Ah, c'est toi qui m'en avais fait un, et moi, j'en ai fait un, alors. C'est ça. D'accord. Non, mais parce que j'en avais consommé qu'un, ça m'étonnait. Ah. Voilà. C'était tout. C'était pour pas tricher, moi. Personne. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas ces scrupules. Mais très peu de gens. Joueurs ? Non, attends, c'est les personnes. Personne ne triche, ici. On avance ? Bah oui, on y va. Dans la direction là. Ah, il y a quelqu'un qui a fait un coude, on dirait. Non, c'est l'inflexion du poids des personnages sur la courbe de l'espace-temps. C'est bien ce qui me semblait. Comment tu peux faire ça? Bah par la gravité, par les ondes gravitationnelles. Ah ouais, pas mal. C'est beau, ouais. Et même pas que c'était faisable. Il y en a d'autres qui font des bêtises. Hein. Je vous préviens, on ne voit pas qui. Mais alors, ouais, on ne donnera pas les noms de... Antoine Alors quand Gaël dit que c'est Antoine, c'est bien que c'est Gaël. Il est hors de question de passer... Donc, on avance dans la forêt, hein, suivant notre pisteur. C'est ça, tout en regardant... suivant Jackan qui gigote, là. Tout en regardant les arbres qu'il y a autour. Donc, vous faites quelques heures de marche, en fait. Vous n'êtes pas encore arrivé, en fait, à... sur le chemin. C'est arrivé un peu avant, en fait. Et vous allez me faire des jets de... Alors, vu que je peux le faire... Il va falloir qu'on cherche notre compétence. Ouais. De la survie. C'est pour s'habituer à Unity. Oh non.
Ouf. Ça fait tous les personnages, et logiquement... Des upgrades de version. Hein. Oh là, quelle rapidité. Ça manque un raccourci clavier spécifique. Hein. Enfin, moi je dis ça. Bah, t'as des raccourcis clavier tout en bas. Oui, mais là, quand il te fait un check comme ça, tu peux faire un check. Alors, tout le monde voit ce qui se passe, sauf sauf Jacquane. On a perdu. On vient de perdre Stéphane. Jacquane, retire tes lunettes. Hein. Ah, j'ai une secrète erreur. On vient de te perdre. T'as une erreur de chaussette ? Ouais, j'ai une erreur de chaussette. T'as perdu sur les vidéos, la cam. Et ça, c'est important pour Antoine. Quand il voit pas les webcams, ça l'inquiète. C'est mieux là ou pas ? Bah, toi, toujours pas, mais. Ah non ? Vincent, on te revoit pas. T'as disparu. Débranche et rebranche, je vois que ça. Au moins, t'es toujours sur Fantasy Run ? Oui, non, c'est... ça a rien à voir. La plantage ETS, comme Antoine ? Ça fait très passion. Moi, TS, elle est plantée, mais pas la partie cam. Hein. Ah, ça y est, Stéphane est réveillé. Allez, on nous voit. Je vais mettre une épinglette pour éviter que ça passe en arrière-plan. Ouais, il y a du petit flutio qui fait un peu arabisant, qui est ouais, sympa. Ça fait du Peter Gabriel, de passion. Du coup, effectivement, tout le monde voit ce qui se passe, en fait, sauf Jacquane. Je vais pas le sortir. C'est un rôdeur, c'est ça ? C'est un rôdeur. Ouais, mais quand tu lances un Netcat, forcément, pour faire des gros chiffres. Donc du coup, vous voyez tous en fait un entre les racines d'un espèce de chêne. Mm-hmm. Vous voyez un espèce de grand coffre qui est à partie. Apparemment, il est en partie enterré. Ah, ça c'est pour Jacquane en plus. Je me proche pas à moins de 60 mètres d'un coffre. Finalement, c'est peut-être normal ouais, qu'il l'ait pas vu. Touché, ouais. En vrai, il l'a vu, mais il fait semblant de pas le voir. Il fait semblant de pas le voir. Il dit, ouais, il va falloir encore y aller, je vais encore prendre un piège dans la gueule. Même si c'est pas moi qui l'ouvre, c'est moi qui me prends le piège. Donc... Oui, de toute façon, donc peu importe. Bah, ceci, oh, vous avez vu, il y a un coffre qui dépasse du sol. Ah ouais, j'ai vu. Jacquane, tu veux pas tenter ta chance? Oh, j'espérais l'avoir vu tout seul. Raté. Je me planque derrière un arbre. Mauvaise pioche, c'était pas le bon arbre. L'arbre qui... qui a fait le vrai. Ça ressemble à un coffre ou c'est un coffre ? Non, c'est il est à moitié immergé. Avec pardon. Moitié enterré en fait. Enterré. Et il a l'air vieux, ancien. Pas vieux, il y a de non, la mousse dessus. Pas vieux, mais assez gros en fait. Non, il n'y a pas non, de mousse y... encore dessous. Ah, il n'y a pas encore de mousse. Bah, vu que tu t'approches pour regarder, tu vas me faire un jet d'investigation s'il te plaît. Bien sûr. C'était caché ou pas ? Non, c'est pas la peine. D'accord, investigation. Oh purée, je vais aller loin. Bah, c'est parfait ça. Deux secondes parce que j'ai une carte qui bug. Voilà, merci. On va faire ça comme ça. Moi je tréfouille dans mon sac et je sors déjà un pied de biche. Ouais. Alors ce que tu. Ce que tu sors pas toute la biche, tu sors que le pied. Okan, quand tu t'approches, tu remarques que. Pour toi, il semble que effectivement la personne qui a essayé d'enterrer le coffre a été interrompue. Parce que le coffre n'est pas complètement enterré. Tu vois des traces de pas assez énormes dans la boue. Et tu vois sur la partie du coffre qui reste visible, tu vois une espèce de, comment dire, de scintillement sur le coffre. Ah, c'est normal que le coffre scintille. Je me retourne vers mes camarades pour leur poser la question. Oui, c'est normal, tu peux l'ouvrir. Je le scrute avec plus d'attention. Ça nous paraît un louche ou c'est juste un rayon de soleil qui... C'est pas un rayon de soleil. C'est que le coffre est neuf ? Non, c'est pas un rayon de soleil, vu que le coffre est sous abri. Et non, vous avez vraiment l'impression que ça brille, en fait, sur une partie du coffre. La partie qu'on voit, d'ailleurs. Le micro est coupé, Gaël. Ah, flûte, j'avais plein de blagues.
Un signe de Bahamut, fonce. Non, mais c'est ça, ouais. C'est Bahamut, hein. Il te réussit pas trop, donc... Donc, à part une scrutation plus fournie, qu'est-ce que... Pas plus que n'a vu aucun. D'accord. Est-ce que quelqu'un l'ouvre? On essaie. Bon, bah, je commence avec le pied de biche à déterrer plus. Alors là, tu t'aperçois, dis donc, que le coffre semble peut-être essayer de le bouger, etc. Il est vraiment très lourd, que tu n'y arriveras pas tout seul. C'est impossible. Bon, bah, avec le pied de biche, je retire la terre autour. Avec le pied de biche, tu commences à déterrer en fait le coffre. Et ça te prend. Tu vois que tu as travaillé pendant un petit 10 minutes, que le coffre il est quand même vachement gros, quoi. D'accord. Et que ça va te prendre beaucoup plus de temps qu'un quart d'heure, quoi, pour tout enlever. De temps en temps, tu essayes de tirer. Bon, bah, m'aidez pas, hein. Bah, il faut juste voir ce qu'il y a dedans, on n'est pas obligé de le déterrer. Ah, bah, pour avoir accès, t'es obligé de le déterrer complètement. Oui, parce que... C'est pas un coffre, c'est la crypte, quoi. C'est un coffre de taille plutôt... Genre une malle, quoi, plutôt qu'un coffre. S'il était piégé depuis le temps qu'il met les coups de biche, les pieds de biche à côté, ça aurait passé quelque chose. Une malle des Landes. Ok, bah ouais, bah je continue. Hein. Bon, on n'a pas de pelle, hein, de toute façon. Non. Bon, comment on pourrait t'aider? Ah, Okan, tu peux aider, quand même. Bah, j'ai pas de pelle. Bah, je sors de mon sac... Je sors de mon sac un marteau et un piton. Non, j'ai pas de pelle. J'utilise pas ma hache pour ça, ça va pas, non? Bah, elle te sert pas à grand chose d'autre, hein. Si, bah, si tu veux, je peux te montrer à quoi elle sert. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On déterre ce coiffe ou on s'en va? Bah ouais, enfin, je déterre. Mais à main nue, c'est... On servait de mon bouclier pour creuser autour. Tu creuses avec ton bouclier, Vito. Ouais, c'est pas facile. Vito, tu... creuses avec ma gamelle. Vito, tu aides avec ton... ton pied de biche. Est-ce que quelqu'un d'autre aide? Parce que... Oui, avec ma gamelle, je creuse. Avec ta gamelle, tu creuses autour. De toute façon, il a les mains. Alors, moi j'ai une lanterne à capote. Est-ce que ça peut m'aider pour creuser? Non, c'est pas adapté. Non. Avec ma dague. Non. Je me sers de ma dague. Au bout de deux heures, vous arrivez à voir le contour de ce coffre. On va dire que c'est plutôt une malle en fait. C'est une espèce de mal. Et vous voyez que, au fur et à mesure de votre déterrement autour du coffre, vous avez essayé de bouger le coffre. Et vous avez vu qu'il était vraiment très lourd. Mais on a pu aller passer une main en dessous le coffre ou... Pas du tout. Ouais, si, vous avez pu voir aussi, par c'est bien, exemple... C'est bien un coffre, c'est pas une fausse porte. C'est une malle. Ou... C'est une malle, on va dire que c'est entre le coffre et la malle, quoi, tu vois, c'est la taille milieu. Voilà, c'est pas une porte dissimulée vers un couloir, vers un descendre... Non, c'est vraiment un coffre, d'ailleurs, quand vous l'avez déterré à moitié, vous avez vu qu'il y avait une serrure, en fait, sur cette malle. Vido, en tant qu'ancien serrurier, tu sais ouvrir ce genre de coffre, non? Est-ce que ça me semble déjà faisable, oui. Ancien serrurier... Bah, c'est ce qu'il m'a raconté un soir. Déjà, faudrait le sortir, quoi, parce que là... Je sais pas, pour l'instant, je la vois pas complètement, la malle. On peut Il y a besoin de la sortir, vu qu'elle est trop lourde. Ouais. Là, vous êtes obligé de la sortir si vous voulez avoir accès à la serrure, quoi. Bon, bah... On la sort. On la sort. Il doit enterrer à l'envers. Vérifier que le propriétaire revient pas. Hein. Pour l'instant, on n'entend pas de bruit. Bah, il est enterré, ça fait 60 milliards d'années qu'il est plus là. Ouais, c'est enterré, de toute façon. Okay. S'il a voulu, il aurait pas enterré sa malle. Il sait plus où aller, il n'y a pas de traces de pas autour. Alors, si. Vous allez pouvoir aider une personne. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a une qui va tirer et les autres vont l'aider. Soit en poussant, soit en tirant. On va aider Zardrix, etc. Alors, j'explique. Il faut quelqu'un qui est quand même costaud pour pouvoir tirer, afin que les autres puissent l'aider. Pénard, c'est pas moi. D'accord, on va pas prendre. On se disait, il fallait un charismatique, un type qui fasse peur au mal.
Voilà. Donc du coup, pour chaque personne qui aide, il y a deux Zokan. Il y a un plus deux en fait. C'est-à-dire qu'en on gros, va tous l'aider, on va aider. Et ben, ça fait 2, 4. Moi je l'aide avec le pied de biche dans l'autre sens. Hein. Ça fait 8. Ça fait 8, plus 8 pour Okan en, en modificateur. Donc tu mets plus 8. Ah, le Goliath, d'accord. Normalement, il n'est pas plus fort. Je mets plus 8 et je lance un. Je fais un jet de force. Le fer argent est plus fort que le Goliath. Ah bon, je suis plus fort. Ah, on fait un petit bras de fer pour voir. C'est ça. Et le moins épuisé, il tire après. C'est fier argent qui est le plus fort. Il est plus grand, plus qui est plus fort. Eh bah alors, pas de problème, hein. C'est fier argent. Il est plus malin, je suis sûr. Allez, vas-y. Tu fais un jet de force avec un bonus de plus 8. Alors, c'est où la force ? Dans ton cul. J'en attendais pas moins de toi. Ça m'a échappé. Arrête ton char. Grâce à Fier Argent et surtout à. Tiens, je le lance à Okan. Hop. Non, pas vraiment, non. Parce que vous voyez que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de mal à le sortir. Vous arrivez à le sortir, ce coffre. Vous avez, grâce à l'effort cumulé, à l'effort commun, vous avez réussi à l'effort de groupe. Travail collectif. Voilà, travail collectif, vous avez à le sortir. Donc, c'est une malle plutôt qu'un coffre. Et il y a une serrure. Mmh. Et là, on n'est pas surpris. C'est maintenant que je me planque derrière l'arbre. Ok. Donc, Vidéo, c'est à toi de jouer. On me fait un jeu de perception. C'est pratique d'avoir de la famille qui était serrurier quand même. on s'écarte. De perception ou de outil directement Tout le monde s'écarte en fait, c'est ça. Bah, pour l'instant, un jeu de perception. D'accord. C'est ouais, pour regarder plutôt, un peu comment c'est foutu. Quoi. Il commence à sortir ses outils, puis hop. On est méfiant, il y a peut-être des bêtes qui sont allées dormir dedans, ou on sait jamais. Ah. Alors, c'est ça. Avec le coffre fermé à clé. Ah oui, ah, il a fermé pensé. De l'intérieur, tu sais, c'est bah oui. C'est les nouvelles serrures. Et effectivement, tu t'aperçois qu'il n'y a aucun piège dessus. Oh, bah non, il n'y avait pas de piège, c'était éventuellement une. Bon, c'est bon, pas piégé son. Par contre, la serrure a l'air d'être de super bonne qualité et tu sens que ça va être compliqué. Est-ce qu'elle va prendre un peu de temps? Tu peux utiliser tes outils pour. Bah ouais. La manipuler. Caché ou pas? Non. T'y arrives pas. Ah bon? Non, t'y arrives pas. C'est, tu vois que c'est très complexe en fait comme serrure. Il y a des doubles canons. Enfin, c'est vraiment compliqué quoi. Mais il n'y arrivera jamais. Et j'ai même pas fait un peu là en faisant ça? Non. C'est super compliqué. C'est une serrure vraiment compliquée à ouvrir. Bon, c'est ben. C'est la première fois que t'envoies des comme ça. Hein. J'ai jamais vu ça et là franchement je crois que ça me dépasse. Hein. Autant découper la balle. Ouais. Elle a un poids la malle. Oui, carrément. C'est quoi, c'est du tissu, du bois, c'est quoi la malle? Je vous rappelle qu'elle scintille. Hein, c'est... Non, c'est du bois lourd, très lourd, du chêne, je pense. Il y a rien de magique là derrière, parce que j'ai jamais vu un truc aussi compliqué. Hein. Et si t'as l'aide de Bahamut? Bah, il fera pas mieux. Remarque 18, ouais. On sent que tu t'es décarcassé quand même. Hein. Ah ben ouais, hein, je sur quoi sur en faire mieux. Hein. Alors si tu l'aides et que tu recommences, Vidéo, t'as un désavantage. Ah bah, un désavantage, mais ça risque pas. Je faisais une assistance. Hein. Oui, mais s'il recommence à essayer de crocheter la serrure... avant, mais il fallait le savoir. Oui, il fallait le faire avant. Bon, bah, on est comme des couillons. Oh bah voilà, quelqu'un d'autre peut essayer. Bah sinon on peut laisser le coffre et puis avancer. Hein. Il n'est pas là par hasard. Et Bahamut qui l'a mis sur notre chemin. Bah, pour nous aussi. Bah clairement, pour la quête. Ah, c'est ça le grand B gravé sur le, sur le coffre. T'as essayé de forcer avec le pied de biche ou pas?
Non mais moi je force pas, hein. Non mais ça, si tu veux, ça, je te donne le pied douche et tu forces, mais moi je force pas. Ça brillait, c'est certainement de la magie. Ah, si c'est le médecin magicien qui le dit, alors... L'imposteur magicien, le... Non, non, mais on pourrait essayer de défoncer, je sais pas. Bon, attends, ouais, c'est la hache, c'est... Si, je vais donner un petit coup de hache dessus pour voir si ça s'ouvre. On s'écarte quand même. Ça se passe, tu lui fais une petite assistance. Moi, je suis toujours derrière mon arbre. Ouais, fais une assistance. Hein, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Ouais, en plus, c'est ça gratuit, coûte rien. En plus. C'est gratuit, c'est ma mute qui offre. Faut que tu me retires la rage quand même, Steph. Hein. Ça pourra. Ah oui, non, c'est vrai que ça va pas jouer, mais quand même. Retire la rage. Deux secondes, parce que là, j'ai du son dans les oreilles et c'est pas passé dans le casque, enfin, dans vos casques à vous. Vas-y, recommence. Vaut mieux qu'il soit dans les oreilles, le son. Enfin, bon, recommence, Gaël. Ah. Je l'ai fait sur qui? Sur Okan? Ouais. Ah bah du coup ça l'a enlevé. Hop. Bah, j'ai rien entendu. Ah non, rien entendu. Bon bah tant pis. Non. C'est pas grave. Le maître du jeu nous balade, hein. Il dit qu'il a fait des sons, mais c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, putain. Ça marche jamais. M'énerve. Voice Meter, on est bien d'accord, c'est sur Voice Meter. Pas utiliser ces trucs là, les bons vieux. Ah, mais c'est bizarre. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, il y a DW Mazoge sur Twitch qui a entendu. Donc, c'est bizarre. Ouais, comme d'habitude, ça passe sur Twitch. Il faut qu'on se branche sur Twitch pour entendre. Ouais, sur Twitch, parce que ça passait dans mon casque, c'est pour ça. Donc, c'était pas le bon tuyau. Mais ça passe pas sur TS par contre. Réserve les sons pour tes viewers et pas pour les sons. Pour ouais, tes c'est, ça, c'est moche. Hein. C'est sur ceux qui. Les tips quelques euros en plus, hein. Bravo. Du coup... j'attends toujours qu'on m'envoie des sous sur mon Tipeee, hein. Ben non, parce qu'après, ça... YouTube, il va te ban, alors non. Bon, on m'en fout, de toute façon, j'ai créé Ramsès TV. Tipeee, tant de Tipeee sur Amazon, mais sinon, je vois pas. Vous faites quoi alors? Bah, je te l'ai dit, violemment, je frappe le coffre avec. Tu donnes un grand coup de hache. Oui, sur c'est ça, sauf qu'il faut que tu retires l'effet de rage quand même. J'ai les toujours sur moi, mais. Alors... Bah, tu te mets en rage. C'est-à-dire. 15 mètres. C'est ça. Bah oui, parce que si ça casse le coffre, on va pas se prendre des morceaux. On crée les échardes. Du coup, tu me fais un jet de. Comme si t'attaquais en fait. Je me dis un arbre aussi. Il n'y a pas de classe d'armure, hein, parce que c'est un objet mobile. Ah, c'est pas un jet de force. D'accord. Je te fais des dommages directs ou. Ouais, tu fais les dommages. Bah, du coup, attends, parce que du coup. Ah, tu fais les dommages, d'accord. Oui, ça touche, il bouge pas, il se déplace pas, il m'esquive pas, donc tout va bien. Allez, c'est parti. C'est un objet immobile. Ouais. Ok. Alors, c'est le début. Tu commences effectivement à fendre le bois de ce coffre. Mais quand tu frappes, en fait, tu vois qu'il y a une espèce de poussière comme des spores, en fait, qui sont projetées à cause de ton coup, en fait, qui sont projetées dans ta direction. Je retiens ma respiration. Ça marche? Non, pas vraiment. Je mets un sac en plastique sur la tête. Tu vas me faire un check de constitution, s'il te plaît. Je mets mon masque contre le Covid des bois. Vous en avez pas, les gars, vous en avez pas. J'ai mon masque avec les oreilles pointues. Alors, constitution, c'est bon. Ah bah, t'as le check du coup d'assistance, hein, c'est bien. Pas facile. Ouais. Ah bah tu résistes pas. Ah si tu résistes. Ah c'était 25. Oh c'est ballot. Dis donc. Quelle valeur. C'est bon. Ouais tu sens effectivement de la poussière qui rentre dans tes narines. Allez tu vas l'avoir, tape. Et tu reprends une bonne inspiration là pour frapper encore de nouveau sur le coffre. On s'emballe pas, je vais prendre quelque chose pour me protéger les voies aériennes, comme un masque.
Mais... bah j'ai pas envie d'étouffer sous les champignons, je suis pas bête à ce point. Bah tu prends quoi? Allez, il se met une fiole de soie dans chaque narine et puis non mais le bouchon des fioles de soie est vide. Tout à la il fiole en a, soin, il en a tout un stock des bouteilles de soie vides. C'est ça. Je me tourne vers mes riants compagnons pour et qu'ils me donnent. Et tu vois qu'on est tous barrés à 200 mètres derrière. Il n'y a plus personne autour de toi. Il y a personne. Il y a personne autour de toi, Okan. Ils sont tous planqués derrière les arbres. Si tu veux, il y a des pousses qui sortent des arbres. Ouais, vas-y, vas-y. C'est ça. Un bout de tissu, je me l'entoure autour de. C'est simple. C'est soit on m'enfile un, soit je commence à découper le pantalon, mais je me mets un bout de tissu autour de. Autour du nez et de la bouche. Okay. Le slobber. Okay. Et je demande à. Il y en a pas. Et tu sais qu'on est au mois de janvier quand même. Et je demande à Jacquan de me filer ses lunettes là pour éviter d'être aveuglé. Ah par... non, alors là. Ok. Bon, on va pas bloquer sur un coffre quand même. Oui, donc je retape. Je connais un célèbre groupe d'aventuriers qui ont échoué devant une porte. Non, mais une fois que je suis protégé, Steph, une fois que je suis protégé, je retape. C'est bon? Ouais, vas-y, fais-moi les dégâts. On l'avait pas encore fait, ça. Oh putain. Il donne tout ce qu'il a. Hein. Il a des petits bras pour un goli. Ah, tu fends le... Le cœur. Comment la serrure, en fait, t'as donné un grand coup sur la serrure. Sur le cœur. Et la malle s'ouvre. Oh oh. Et là, et malle mort. Et c'est là qu'elle explose. Mais vous méritez au moins 500 points d'histoire à chacun. On va réussir à ouvrir une malle. C'est ça. Bravo, les gars. J'ai toujours niveau 2. Ouais, non, niveau 3. Niveau ouais, 3 moi qui pensais non, que j'aurais pas assez de matière pour dedans 3 semaines ou plus. Bon, bah, c'est oh, bon, mec. Je suis rassuré. Bon, voilà, tu sèmes des malles et puis c'est bon. Depuis qu'on a attaqué la campagne en mode Nalbuck, c'est pas le c'est bon. Donc, du coup, la malle est ouverte. Bon, elle est cassée, mais bon. Donc, pas réutilisable. Ah mince, mais allez, récupérer. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et qu'est-ce qu'il y a dedans, ouais? Quel suspense insoutenable! Eh ben, vous le saurez la prochaine fois. Eh bien voilà, on s'arrête là ce soir. Ça y est, c'est fini. Allez, vas-y. Ça, c'était de l'aventure, ce soir. Oh putain, ouais. C'est magnifique. Épique. Putain, vous me donnez chaud, les gars. Alors. Ah, t'as bien fait de mettre Conan pour l'ouverture de la. Ouais, c'est ça. Allez, on se dépêche. On Donc a. Okan, tu regardes, tu vois qu'il y a plein de petits. Il y a plein de petits sacs, en fait. Plein de petites bourses. Enfin, ouh. C'est. Oui, il y a plein de petites bourses, ouais. Oh, t'as vu, Vido, il y a plein de petites bourses. Il y a environ une dizaine de bourses. Là, tu vois qu'aussitôt je suis à côté de toi. Bizarrement. Les portes. Tu devrais regarder ce qu'il y a dans les bourses, ça peut être intéressant. Je surveille que la répartition soit équitable. Alors, dans le premier jet que tu avais fait, Vito, au niveau de la perception, que tu as un très bon chiffre, je vais reprendre ce chiffre. J'ai un écho, je sais pas qui c'est. Ah, c'est bon. Tu remarques qu'il y a un problème de taille. C'est-à-dire que c'est qu'on voit trop petit et qu'il n'y a rien d'autre ou l'inverse. T'as l'impression que le coffre est beaucoup plus moins profond en regardant comme ça. Il y a une cachette secrète. Vous cherchez. Ce serait plutôt fond. Des bourses qui cacheraient quelque chose. Bon, il y a quoi dans les bourses? Regarde, Okan, il y a que quelques bourses. Le coffre, regarde, si tu regardes de l'autre sens, il est beaucoup plus grand. Sûrement. Casse le fond, casse. Il sait pas compter, il lui demande pas s'il y a plus non, de bourses. Non, mais sort les bourses, on verra après. Alors. Ouais, je sors les bourses. Ok. Oh, il y a pas mal de pièces d'or. Il y a des pièces d'argent et des pièces de cuivre. Je vous mets ça dans le. Je vous mettrai ça après. Est-ce que okay. Vous faites... Et donc je sors ma rapière, je fais la profondeur en dehors et la profondeur en dedans. Ben, tu vois qu'il y a un problème. Bon, bah, on pète le fond alors.
Mais toujours avec un masque de protection. Non, si tu veux, je regarde un peu le fond. Ah bah alors, je te laisse vers le fond. Il y a peut-être un truc que je pourrais ouvrir. Fais attention, il y a un peu de poussière, hein, c'est désagréable. Ah bah merci. Je tire ma chemise. Vous remarquez que le coffre est plein de poussière, en fait. Ouais, bah je tire ma chemise au-dessus de mon nez. D'accord. Et je regarde. Je t'ai envoyé comme tu veux. Vas-y. Vas-y, je reclique. Bah logiquement, oui. D'accord. Bref. Effectivement, tu trouves des crochets en fait sur les côtés qui permettent de pouvoir ouvrir en fait un espèce de double fond. Ouais, il y a bien un double fond là. Et il y a un grand sac dedans. Un grand sac. Il y a un sac. Mais regarde, il y a un grand sac. Un mal. Il doit être lourd celui-là. Hein. Bah, sors-le. Et dans le sac, il y a une petite bourse. Voilà, c'est les poupettes russes. Les poupettes russes, ouais. Un paquet de bonbons Chantos. En fait, dans le sac, il y a une dizaine de gemmes à peu près. Ah, plus intéressant. Équivalent qu'on estime à beaucoup d'argent. Vous savez pas. Mais si, on sait. C'est forcément plus intéressant que. Parce qu'il y avait de cash visible. Une gemme, ça vaut des milliers de PO, de potions de soins. Des milliers de potions de soins. Tu sais bien qui compte en potions de soins. Y'a un joaillier dans le coin là ? Pas du tout. Oui. Y'a un joaillier ? Bah, on est toujours. Pas joaillier en plus. On est pas encore joaillier. T'étais pas ancien serrurier et ancien joaillier, non ? Ouais. Non, mais c'est joli, moi, ça. Non, c'était ma famille qui avait des. Des joyeux. Des coraux, des trucs comme ça. Vous avez effectivement peu de moyens de savoir en fait combien ça vaut quoi. À part aller effectivement à la guilde des. On fait une petite estimation là, non ? Non ? Faire un jet d'intelligence si tu veux. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Hein. On y va. On le fait. Non, tout, moi je. Caché ? Ils seront intelligents pour moi. Caché. Alors, comment j'utilise l'inspiration pour ça ? Ouais, je vais te le dire. Ah non, c'est pas ça. Tu me le dire. Qu'est-ce qui me fait. Rien, je me suis trompé. Il y avait les mêmes lettres, mais. J'ai vu moins une dizaine de dés partir, quoi. Bah, c'est ça, pour avoir de la chance, hein. Il faut y aller. Hein. Je regarde, hein, parce que. Je devrais faire un reset à chaque fois du truc. Ouais, on a fait des gestes splendides, quoi. C'est magnifique. Fier argent. Il y en a au moins pour une petite estimation comme ça. Au moins pour 1400 pièces d'or. Seulement ? Salut Bala. Ouais, je dois me tromper, mais je pense qu'il y en a pour 1400. Alors attends, 1400 divisé par 50. Non, il y en a 10 des gemmes. Il y en a 10. Mais elles sont pas toutes. Du même coloris. 1400 pour les 10 gemmes, 1400 pas pour une. Donc c'est une équation, il y a combien de coloris, combien d'inconnus ? Non, il y a 1400 pour les 10 gemmes, donc en fait il y a 14 000, c'est ça ? Non, 1400, mais du coup tu me parles. Ah ça c'est quand même... C'est qui ça fait quand même 28 potions. Te laisse pas emporter par sa folie. Je vous rappelle que ça fait 28 potions. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant les gemmes je les garde, je les partage pas. Ils nous les donnent pas ? Ben non. Non mais. Bon, ouais. Au niveau des. Non mais on reste pas 3 heures à estimer ça. On prend les gemmes, on prend l'argent, partage, et on se tire. L'argent, les gemmes, partage, tout ça. Ouais mais c'est ce que je fais. Les gemmes, je les partage pas. Qui c'est qui prend le sac des gemmes là ? Moi ! Bah, voilà. Je peux les prendre, hein, sinon si c'est un peu lourd pour toi, y a pas de soucis. C'est vrai. Enfin, j'ai déjà une tapisserie. Ah non, je l'avais laissé. Non, mais oui, cher argent peut prendre. Ouais. La valeur la plus sûre du monde. Tu marques, hein, un sac de 10 gemmes. Entre parenthèses, 1400 pièces d'or, en ton estimation. Et je partage le reste. Stéphane, je regarde s'il n'y a pas un triple fond. Ouais, pas bête.
Tu regardes s'il y a un autre fond. Bah oui. Ouais. Après avoir critiqué comme con perdu. Bah, ça, c'est le piège classique, tu vois, tu mets qu'un double fond et hop. Les joueurs sont contents et ils partent avec un truc alors qu'il y avait un triple fond. En fait, il y avait un... Mais ça, c'est pas bête, ça. Et sous le triple fond, il y a la terre. Bon, alors, allez, vas-y. Hop. Attends, j'ai vu le truc passer. Ouais. Non. Quelle surprise. Quelle surprise, oui. Non, y a pas de triple fond. Il y aurait pu, hein. Mais non. C'est top en boîte. Vous reprenez votre chemin, je suppose. J'ai pas eu l'inspiration, moi, j'aurais deux. Ouais. Par contre... Déjà, on est content, on est riche. C'est quand même bizarre, riche, quand même. Hein. En pleine forêt... Un coffre, ouais, un c'est coffre suspect. Avec de l'argent dedans. Ouais, je sens qu'il y en a qui vont nous tomber sur le calepin. Ça pourrait bien être un coffre d'Anétine, quoi. Le trésor d'un gobelin. Je me rappelle que le Huguenard, là, nous a parlé qu'il y avait des braconniers dans le coin. Ah ouais. Ouais, mais il nous a dit. On ferait peut-être bien des braconniers, on s'attendait plus à des poux, à des trucs. Si vous voulez le remettre où il était, ça va prendre 2 heures. Non, bah, de toute façon, ça se verra que la terre a été fouillée. Ouais. Puis de toute façon, il y avait le nom de personne dessus. Le mec, il me dit, ah, c'est à moi. Ouais, c'est ça. Hop. Tout à fait. Puis Bahamut nous l'a mis sur ce chemin-là, donc... T'as qu'à poser ton argent à la banque, comme tout le monde. Donc c'était pour, effectivement, le bien des groupes. Par contre, au niveau des feuilles de Ujac que vous avez récupérées, vous en avez pas beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, il y en a, mais est-ce que ce sera suffisant pour faire la potion Si possible, vous en trouvez une autre. On a pris pas des feuilles hein, de Jacques, ouais, on a pris les tiges. Hein. Les tiges, les tiges, etc. Donc, il y en a une dizaine, quoi. Voilà, à peu près. Donc, rappelez-vous la formule, il en faut quand même pas mal, quoi. Puisque c'est la sève qu'on va récupérer, donc... Bah, on en prend plus si on se dit là qu'on n'a pas pris assez. Bah, si on en trouve, alors, vous aviez récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer sur le... Ah, d'accord. À l'endroit, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc il faudra en récupérer encore. Oui. Et ben... Yeah, ça marche. Ben, 2 heures plus tard, vous arrivez dans un endroit où effectivement... Il y a déjà une forte odeur de jasmin dans cette partie de la forêt. Et c'est bon signe. Vous remarquez des plantes grimpantes sur des arbres aux alentours. Même odeur, même couleur. Ouais, la même chose. Par contre, les ours aussi. Par contre, Jacquane et puis alors Jacquane, tu vas me faire un jet de. Non, mais même, de toute façon, vous allez tous me faire des jets de nature. Ou matériel d'herboriste, si vous avez matériel d'herboriste. Le DD est de 15. Parfait. Herboriste avec quel... La nature, c'est pas mon truc. Avec... nature, c'est sagesse, c'est ça. Ouais, mais bon. Ça canne. Alors, le rôdeur, la nature, c'est pas son truc. Je suis un imposteur, je vous l'ai déjà dit. Vous me croyez pas. Alors, cette plante, oui, je la connais très bien. Ma grand-mère en prenait un tisane. Ah, t'as fait aventurier parce que tu t'es fait lourder de toutes les écoles. Le mec, la catastrophe ambulante. Je fais un test. Il est nul à chier, quoi. Et tu te balades avec un masque pour pas que les profs te reconnaissent. Alors, c'est exactement ça. Réussi son jet, fier argent et puis vidéo. Que c'est quelque chose. Alors, effectivement, ça a l'odeur du jasmin. La couleur du jasmin. C'est le goût du jasmin. Mais ce n'est pas du jasmin. Mais ce n'est pas du jacquin. Pour la bonne couleur. C'est pas du tout. C'est pas grimpant. Ça y ressemble beaucoup, mais ça n'y est pas en fait. Ok. Par contre, il y a quelque chose qui vous étonne. Oh purée, il nous étonne maintenant. Ouais, je sais. Je vais partager donc. Magnifique carte. Que voici, que voilà.
Je vais y placer des trucs. Ça a des yeux et des grandes bouches. Oh, la bonne. Alors, cette fois-ci, je me trompe pas. Ça a des yeux, une grande bouche et des griffes. Est-ce que tu peux bouger ton token Oui, il le peut. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. On le peut. Tout le monde le peut. Donc, combien d'ours cette fois-ci? Oh, on va changer un peu. On compte un ours et un potion de soie. Et on va avoir des oursons maintenant. On va avoir un étain. Non. Y'a pas le niveau, on t'a dit. Tu m'as l'air un peu éteint là, non? Ah, c'est que c'était un bruit ou. C'était. Avec la bouche. Jacqueline, t'es le premier. Vous restez comme ça, comme je vous ai mis là. Non, généralement il y a Jacqueline devant. Ouais, je sais pas. Moi, Jacqueline est légèrement devant. Légèrement, ouais. Nous, on ouais, pas, c'est ça, me poussez pas 10 mètres en avant. Allez, Comme ça. Ouais, voilà, ça va. Voilà, Jacqueline est devant et il va se faire attaquer par un ours. Par derrière. Non, mais en fait, ce que vous avez pris pour un tronc avec du lierre dessus, Jacqueline, rapidement, tu vois que c'en est pas un du tout. C'est, tu vois les lierres qui commencent en fait à venir dans ta direction pour essayer de t'enchevêtrer. Ah, le lien. Je vous demande de jeter les initiatives, s'il vous plaît. La plante agressive. C'est bizarre. Un minique, Jasmin. J'avais mis un raccourci, elle a disparu. Initiative, c'est quoi cette arnaque? L'initiative raccourci. Bah oui. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux? Vaut mieux toujours chercher, c'est plus. On a meilleur résultat. Oh, avant Jacquin, incroyable. C'est bon, moi, ça m'arrange pas d'être le premier. Jacques. Bah, tu peux décaler. Non, on peut pas décaler. Mais si, on peut décaler. Non, on peut pas. Mais si, ça s'appelle différemment, mais... Oui, ça s'appelle pas jouer. En fait, ça s'appelle de tenir prêt. En fait, vous avez l'impression que le... Exactement. Que le tronc est en train de bouger, mais c'est une espèce d'amas de lierre, plutôt, en fait, qui est situé dessus, qui semble bouger, en fait. Ça le tronc Ça ressemble à une... Vous voyez, une espèce de créature qui était posée sur le tronc, qui est en train d'un... En train de, comment dire, d'essayer d'enchevêtrer notre ami Jacquin, qui a vu venir le coup, hein, donc t'es pas surpris. Par contre, la créature, elle ressemble effectivement à une espèce d'amas de lierre, etc. Et malgré ça, vous arrivez à voir à l'intérieur de cette créature deux fentes qui semblent vous dévisager. On sait pas à quoi ça correspond, je suppose. Oh, purée. Et moi, je... Un féon ? Non, je déconne. Créature. Je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est ce que je vois. Et Vido, que fais-tu ? Je vais quand même montrer... Je n'ai pas mis sur une case. Je me décale comme ça. Je sors mon arc et une flèche et je tire direct dessus. Dieu, une créature! T'imagines, elle dit peut-être la même chose de nous, quoi. Mon Dieu, des créatures! Sur mon territoire! C'est ça. Attaque! Oh, qu'il est fort! Oh, mais il a plus besoin de nous, là, c'est. Oui, mais c'est pas une sauvage! Tu vois, t'as fait disparaître à l'intérieur de la masse de masse végétale, en fait. Pas sûr que ça serve à quelque chose. Oh, j'ai pas vu beaucoup de gouttes de sang partir. Hein. Mais pas sûr que ça serve à quelque chose. De sève. De sève. Ok. Oui, je réfléchis sur mon action. Après, il va dire je tape. T'es un barbare, tu réfléchis pas. T'es un barbare.
Alors, je attendez, laissez-moi réfléchir. C'est pour ça que ça se fait pas bien. Alors, j'enrage. Avec le plat de la hache ou le 3. Oh, eh, hey, j'enrage. Ça marche pas, d'abord par intellectuel, ça. Voilà. Bah, pour une fois, t'as enragé avant de te faire détruire la gueule. Oui, c'est normal. C'est pour bizarre. Qui ça tape plus facile. Bizarrement, c'est parce que j'étais le premier à réagir. Non, non, avant que. Bref. Ah oui, parce qu'avant, généralement, c'est la créature qui réagit avant. Ah ouais, c'est ça qui me flingue avant que je. Allez hop. Merde. Putain, c'est pas... Ah, il est deux fois sur la table. En plus, lancer deux fois sur la table. Le fumble et deux... fumble. Les deux résultats, c'est un désastre. Il a un don, il a Ouais, je pense que c'est ça. Ah, attends, je vais chercher ma table quand même, parce que là, c'est magnifique. Désastre, deux fois la table. Je pense savoir maintenant pourquoi Stéphane t'a accordé de prendre un Goliath. Puis t'as pas dit que ça venait avec un malus énorme. C'est énorme. C'est le barbare qui n'a jamais réussi à taper, un médecin qui n'a jamais réussi à soigner, un arboriste qui connaît pas une plante. Ah, le groupe de bras cassés, putain. Et le rondeur, parce que c'est que la nature. Oui, le rondeur, c'est une thèse de perception quand même. Il ne voit rien, alors qu'il a des lunettes magiques. En plus, mais, quoi. T'as, en t'as fait, pas c'est pas des scénario. De vous, c'est un microscope, quoi. T'as réellement besoin d'un scénario. Alors, voilà, je t'ai fait 10 et 11. Tyranny, alors, vous frappez un allié de façon critique avec votre attaque. Appliquez les dégâts critiques. Et tout est fait négatif. La prochaine attaque de combat en BD vous inflige des dégâts critiques. Alors, si cette action est impossible, votre cible originale bénéficie de l'avantage sur son projet de... Donc il n'y a personne, t'as de la chance, hein, Jacqueline, parce que... Bah, une case prise, tu prenais un coup de... Ah ouais, c'est clair, tu prenais le... Vous avez remarqué que je me suis reculé d'une case tout à l'heure. Ah ouais, ouais, mais t'as fait... <J'ai rire> Et tu vas pouvoir me faire un deuxième, parce qu'il y a deux désastres. Enfin, allez, c'est un désastre, donc deux jets. Elle est au-dessus. Elle est au-dessus. La prochaine attaque de combat est mêlée ou à distance, je peux vous infliger des dégâts critiques. Tu vas prendre un critique dans la gueule en plus direct. Heureusement, je suis... Alors, ta cible a l'avantage et elle a forcément un critique. Voilà. Ah, il faut bien que j'utilise mon action bonus. Donc, hein. Direct le critique. Ah, attendez, la prochaine attaque de combat en mêlée ou à distance touchée vous inflige des dégâts critiques. Ah, d'accord, ok. Donc, si oui, j'attaque, c'est direct un critique, quoi. Et pas de jet sur la table. Tu sais où appliquer effectivement ta défense. Pas de jet sur la table. Un avantage. Bah, ouais, mais enfin, si je. Bah, non, c'est juste le double des dégâts, quoi. En gros. Commence non mais ça c'est l'autre truc, c'est un avantage. Stéphane, commence pas à te poser des questions du type et si t'as je fais un critique sur mes dégâts critiques, tu verras quand tu joues. Mais non, mais c'est pas ça, j'essaye de comprendre la phrase. La prochaine attaque de combat en mêlée ou à distance touchée vous inflige des dégâts critiques. Eh ben, le prochain jet d'attaque qui prend critique. Oui, donc faut que je touche. Il a un avantage, ça sera forcément critique. Et faut que je touche. Voilà, je touche. Ah bah oui, faut que tu touches. Voilà, et tu touches. D'accord. Mais comme l'autre, c'est déjà un avantage, il y a de bonnes chances que tu touches et que tu fasses critique. T'as un avantage et t'as trois critiques. Bah ensuite, il peut avoir de la chance et pour une fois, après... Ouais, bah, en même temps, avoir le critique, vu que Stéphane tire que des 20, en même temps... C'est ça. Ça change pas grand-chose. Donc c'est pas à moi de jouer, donc je le ferai à mon tour. Hein, parce que... Oui, finalement, c'est pas des mauvais fumbles, tout ça, puisque de toute façon, il fera un 20 et il touchera. Louis, c'est pas des mauvais fumbles, c'est ça que tu viens de dire, tu fiches de moi. Bah oui, puisque Stéphane, de toute façon, fera un 20 et il touchera en critique. Bah je sors mon arc, je me recule un petit peu d'abord. Hein. Ah ouais, en fait, faut pas approcher. C'est... Et puis je vais tirer, hein. Ouais. J'avais dit que je voulais faire un bourrin, mais qui touchait, quoi, qui faisait des dégâts, pas hein, qui se posait. Fumble. Oh, c'est un loupé, automatique. T'as player lose. Mais t'as lancé ton module un peu tôt, là. Oui. Il est un peu trop performant. Mon addon fonctionne bien, hein. Je suis content. Tu prends la flèche dans l'œil, non, c'est pas Zardrix, ça. Allez, qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Hey, t'as intérêt à faire attention, hein. C'est pas de tirami, je te prie. Bah, je fais ce que je peux, hein. Je vais essayer de pas te toucher. Promis. Déjà, pas fumble de fumble. Explodo culta. Moi, j'ai cru que c'était un... Ça touche. Putain. Bah, c'est bien, ça. Ouais, ça oui, c'est toujours mieux quand même. Ouais, bah ta projection occulte, effectivement, fait en sorte que il y a du lire qui part dans tous les sens. Je vais juste faire un truc. Bah, mettre l'avantage.
Hein. Par contre, vu la musique qu'il nous place à chaque fois, je vais vous lire le prochain perso, il faut faire un vrai barbare, un Conan. Un vrai barbare, bah c'en est un. Un groupe de barbares, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il va faire là ? 5 barbares. 5 barbares à la hache à demain. Tu me fais quoi là, Steph ? Bah, je fais un carré. Et ce sera une aventure urbaine. Je fais un petit carré. Donc, du coup. J'ai bien fait de avec beaucoup de roleplay. Du coup, de l'espace où t'es, en fait, dans l'espace où t'es, aucun tu là, vois, en fait. Tu vois des plantes, des lierres sortir de la terre en fait, et essayer de t'enchevêtrer. Donc, ouais, enchevêtrement de barbare, ça lui fait rien. Ah ouais, mais j'ai un avantage. Donc avantage. Et les critiques si tu touches. Et critiques si je touche, ça va faire mal. Très, très mal. Et t'excites pas, commence pas à te. Hein. Oh, Samis. Il a fait 1 et 4. Samis. Incroyable. Non, mais ton add-on ? Non, j'ai oublié. Tu vois que c'est pas un mauvais fumble ? Bah, le critique, ça sera la prochaine fois. Hein. Non, pas du tout. Critique, c'est jusqu'à la fin du combat. Hein. C'est jusqu'à ce qu'il touche. Oh putain. C'est jusqu'à ce que je touche, donc j'ai pas encore touché, donc Et du coup, bah, il passe. Je vais vite la battre. Il passe son tour. Saphir argent. C'est possible. C'est Saphir argent. On voit dans le carré bleu là qu'il y a plein de plantes et tout. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que je l'ai mis en fait. C'est parce qu'en fait. Ça doit gigoter. Voilà, vous voyez des plantes qui sortent de terre et qui essayent d'attraper Okan en fait. Bah le bleu, c'était les plantes, non? Non, le bleu, non. Non, parce que le diamètre, enfin, la superficie n'est pas la même. Bon, on va faire un truc classique, hein. On va faire une flamme sacrée, hein. Sans... Ouais, la flamme, c'est bien pour les plantes. Ah, il échoue. Ouais. Donc, il se prend des dégâts. Ça va être énorme. Tu veux que j'enlève Gaël la croix sinon... Non, j'ai fait dans le. Ouais, j'avais dit que ça allait être énorme. Ouais, effectivement. Ouais, ouais c'est énorme. Voilà, c'est énorme. T'arrives à faire des fumbles sur les dégâts, toi. Flamme sacrée. Au moins, lui, il l'a fait sur les dégâts. Voilà, il jette une bougie. C'est vrai que c'est toi. Un point par un point. Ah bon, ben, classiquement. Ouais, bah, ça rentre, c'est bien. Il y a des dégâts de fou, quoi. Un de 10 plus 4, ouais. Ouais. Ah bah, c'est bon, ça, l'explosion. Ben, je tire. Hein. Vas-y, fais-nous rêver. Oh, il est deux niveaux d'épuisement. Oh, deux niveaux d'épuisement. Ah, on a vu, c'était génial. Deux ça niveaux a conservé pendant longtemps, c'est super. Oh non. T'inquiète. J'ai testé, ça a pas trop tant de plaisir. Il est fou ton addon quand même. Hein. Ah, il est bien go. Hein. Ah, bon. Purée. Deux niveaux d'épuisement, eh ben. Il faut entraîner, hein. Tu te sens okay. Fatigué, Jacquin, hein. C'est à force de tirer à l'arc. Je me repose et j'attends que les autres finissent le combat. Ah, bah ouais, là tu. Tu peux te reposer pour le reste de la journée. J'ai pas gâché mes flèches pour ça. Alors, deux niveaux. Oh putain, je groupe. Je passe mon tour, évidemment. Pardon. Ah bon, pourquoi? Eh les gars, quand on sera au 20ème niveau, faudra se repasser ces vidéos quand même. Vous rappelez l'époque Bah, ça sera toujours pareil, hein. Pour toujours des. Oui, mais tu feras 3 attaques et tu pourras louper 3 fois par round. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ah donc ouais, je fais une sournoise avec ma flèche. Joli. Tu touches. Vous allez voir la puissance d'un voleur. Il a le droit d'avoir des sournoises, le lierre, là? Ouais. Oui, il n'y a pas de. S'il est scripté, il y a marqué immune critique. On s'en fout de la créature. Tu peux. Tu les critiques sont... Non, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est pas des critiques, oui. Ok, à toi. Je lui défonce. Merde. Ah oui. Merde. Mais au moins t'as une cible. C'est en fait c'est Nalbok cette campagne. C'est ça. Allez vas-y. Fier argent à toi.
C'est à moi. Bon, on va refaire pareil. On va pas prendre de risques. Ah, il doit pas aimer le feu, c'est une plante, ouais. On va aller au contact. Oh. Impeccable. C'est bien. Bah voilà. Bah voilà. Bah Mute était puissant. Voilà, et ça. Vous voyez la... Bah Mute aime pas les plantes. L'espèce de lierre, en fait, de finir de se consumer. T'as eu chaud aux fesses. Et personne n'a été blessé. Non, c'était le talent, c'est ça. Ouais, t'as eu un coup de mou. J'ai l'impression que t'as un coup de mou. On sait pas ce que ça aurait donné. Hein. En fait, je me suis fait un tour de rein. De rire, c'est ça. Un tour de rein en bordant mon arc et. Je vais pas marcher très vite, hein, je vous le dis. Bon, allez, on recommence, on cherche les plantes qui nous manquent. Bah, de toute façon, on continue sur le chemin que nous donne Jacan. Et puis, comme il va lentement. Marchez pas si vite, s'il vous plaît. Il a le déplacement divisé par deux, donc. Oui, mais justement, il allait deux fois plus vite normalement que nous. J'ai peur pour Jacan, je m'approche de lui et je fais un épargne. Non, c'était pas deux fois plus vite. Il n'y avait pas un truc comme ça. Non, c'est je peux être discret en forêt à la même vitesse que vous. Ah, d'accord. C'est pas normal. D'accord. C'est pas du tout pareil. Oh, le détail, je sais pas. C'est pas pour un... Ah bah j'ai tout... Donc vous continuez... Voilà, comme tu y vas, on continue doucement. Hein. Bah vous pouvez faire une pause, hein. Non. Ouais, il y a peut-être le sorcier qui a besoin d'une pause, et puis le prêtre aussi, ouais. Non, on continue, c'est bon. Non, on continue. On peut avancer. Okay. Ah, la nuit est en train de tomber, hein, je le vois très bien. Avec les yeux de lynx. Je vais te dire ça. Il ne faudrait pas être arrivé en fin de journée complètement épuisé tout autant qu'on est directement chez l'étain. Quoi. Vous avez marché 6 heures quand même. Hein. Mais il est... Enfin, oui, vous mais avez il est marché 4 heures, mais vous avez passé beaucoup de temps avec le coffre. Oui. D'accord. Donc, il est quelle heure il y a, attends, 10, 11, 12, 13, 4. Il est 16h30. Oui, c'est bon, c'est ça, on est encore 10h30 quand on a... On est en hiver, hein, donc la nuit va tomber... Bah, dans pas longtemps. La stratégie, c'est quoi? On peut avancer un peu, mais bon... La stratégie, c'est quoi? On avance un peu pour pas être juste à côté de ça, au cas où. Mais ensuite, on établit un camp, oui. Tant qu'il fait... Ah, on établit un camp. Tant qu'il fait jour pour vous. Bon, bah, ok, on marche combien de temps? Que c'est moi, on s'en fout, mais... On cherche combien de temps? Bon, moi aussi, mais... Bah non, toi, tu vois pas, Denis. Non, mais... Ouais, faut pas exagérer. Jacques, fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Pardon? Fais-moi un jet de survie. C'est pour savoir si tu meurs. T'es caché? Non. Ah oui, c'est vrai que t'es fatigué. Déjà des avantages. Ouais, t'as des avantages. T'aurais pu réussir, mais maintenant t'es fatigué, tu vois. Malgré ça, si t'arrives à trouver un espèce de... La nature, c'est pas ton truc, hein. T'arrives à trouver un piton rocheux, en fait, qui permet, en fait, de pouvoir vous abriter pour la nuit. Sauf que c'est un piton royal rocheux. Ouais, c'est ça. Tu es mort et tu... Fatigué, quoi. Vous pouvez établir un campement sous une espèce de rocher, en fait, un rocher plat qui permet d'être à l'abri, en fait. Ok, pas de feu, on se réveille dès les premières lueurs de l'aube pour rechercher la plante. On est d'accord, hein. Ah oui. Je vais aux toilettes. Il est réglé. Ah oui, c'est l'heure. Non, à 3 minutes. On lance entre 10h et 10h30, effectivement, tu as 2 minutes de retard. Non, 3. C'est peut-être retenu 2 minutes. Moi, je suis réglé sur l'horloge atomique. Pareil. Ouais. Allez, je vous fais la minute figurine. Reconnaîtrez-vous cette créature? Attendez. Ça commence toujours par du flou, hein. Ouais, putain, je vais rien. Arrête de bouger. Ouais, j'essaie de pas vous mettre la lumière, mais... Double tête... C'est soit une hydre, soit une bête éclipsante. Bête éclipsante, ouais. Une bête éclipsante, oui.
Il est fort. On le voit pas. Bah évidemment, il connaît le manuel par cœur. C'est chouette. Ouais, ouais, enfin, on le voit rien à la caméra. Mais... Ah oui, il connaît les statistiques aussi. Non bah non, pas en 5. Hein. Et puis la page en 2.3, en 3.1... T'as, t'as pas déjà établi des rapports entre la 3.5 et la 5 qui te permettent de calculer par rapport à ce que tu sais de la 3.5, ce que ça devrait être sur la 5 en fait. Je suis déçu. Alors là, franchement, de ta part, je suis déçu. J'ai jamais vu une fiche de monstre en DD5. Donc, ah bah voilà, c'est pour ça, il y a forcément une situation. Oh là 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 là. Tout se perd. Là, dès qu'ils auront décidé de ressortir des bouquins, après le confinement... On se cotisera pour lui offrir. Oui. Avec une webcam. Il te lit que les bestiaires. Ah oui, moi, le manuel des joueurs du guide du maître, ça sert à rien, juste le bestiaire. Ouais. Pareil. Ouais. Bon, ben voilà, ben, on regarde la plante brûlée, là, elle avait... Il n'y a rien... Elle a rien laissé, ouais, je veux dire. Ou dans son bosquet, ou son buisson. Elle a cramé, quoi. Elle a brûlé, voilà. Elle était sur le tronc d'un arbre... Voilà, et puis à chipper ce qu'il y avait au passage, quoi. Ouais, mais justement, elle a rien chipé qu'elle aura pu laisser. Des cadavres de petits animaux, des choses comme ça. Et des petits animaux, ok. Mm. C'est quoi encore que t'as balancé, Gaël? Non. Non, c'est moi qui ai balancé pour Antoine. Ah. Il voulait voir la liste des monstres en DD5. Là, c'est la même que dans les autres DD. J'avais même pas vu. Faites des tours de garde, je suppose, dans cette forêt inamicale. Ouais, yes. Selon l'ordre habituel, alors moi je prends la nuit la plus noire. Il y en a un qui est très fatigué. Ah ouais. Très fatigué. Oui, mais généralement, il fait pas de tour de garde, lui. Non ? Je suis en dernier. Oui, c'est ça. Et comme on est nombreux. Voilà. J'avais pas mis les règles, moi. Oui, ok. Ah, je regarde juste un truc, hein. Regarde un truc. Est-ce qu'il a fait des annexes? Je te montre directement. Ça, c'est une fiche de personnage. De PNJ. En attendant. Ça a l'air désagréable, une bête éclipsante. Alors. Je regarde pour l'épuisement, en fait. Bah, je crois que c'est. Je perds un niveau d'épuisement par nuit de sommeil, un truc comme ça. Ah bah, je regarde. Oh bah, niveau 18. Alors, non, 19. Alors, terminer un repos long réduit le niveau d'épuisement d'une créature de 1. Voilà. Il te faudrait une restauration inférieure, sinon, pour te soigner. Mais notre prêtre, j'ai l'impression que Bahamut ne t'a pas encore en toutes ses faveurs. Alors, petit tour rapidos. On garde les mêmes tours de garde Oui, oui. L'ordre. Okan, Fier Argent, Zardrix, Vido, Jacan. Ouais. Ouais, ouais. Et Antoine, tu peux même générer un PDF avec ça. Je propose que les tours de garde commencent à peu près vers 11h, quoi. Que tout le monde ait au moins 8 heures de sommeil, quoi. Plus ou moins. Oui. Coquen, ouais, tu prends ton premier tour de garde. Tu me fais un jet de pourcentage, s'il te plaît. J'hésite. C'est quand même des feignasses, les aventuriers. Il leur faut 8 heures de sommeil, quoi. Tu sais. C'est pire que des enfants, quoi. Ton tour se passe bien. Bon, il y a les bruits habituels de la forêt, hein, les animaux, tout ça. Mais il n'y a rien qui s'approche de votre campement. On va changer d'ambiance. C'est un remix. Yo. Un remix du... Ah, il y a des cigales dans la forêt. Alors, Fier Argent, tu prends ton tour de garde. Tu vas réveiller... Okan, tu réveilles Fier Argent. Fier Argent, tu me fais un jet de pourcentage, s'il te plaît. Jet de pourcentage. Alors attends, je sais plus faire. Hop. Ah, oh, c'est lui qui est à côté.
un pivert. Il y a un pivert qui... Ça, c'est le confinement, il y a plus de bruit dans la forêt. Par contre, t'entends un gros grognement. Un grognement qui se rapproche. Il a pas fait son jet encore. Ah si, il a fait 5. Oh, il a tiré un dé de 10. Bah non, j'étais à des 100. Hein. Il y avait un 0 et un 5. Ouais. J'ai vu. Ah bon, bah... moi je vois qu'un dé de 10. Bah quand il y a le 0, il met qu'un dé de 10. Hein. Non, sérieusement. Hein. Sérieusement, tu vas avoir un problème avec un autre. Eh ben, je fais discret. Je me dis, ça va passer. Ok. Donc, tu te dis que... Donc, tu fais un jet de discrétion, s'il te plaît, dans la tour cachée. Ah, je bouge plus. Tu fais un jet de discrétion dans la tour cachée, s'il te plaît. C'est de ça qu'il a peur. Tu utilises ton inspiration. Tu peux utiliser ton inspiration, hein. Ouais, je l'utilise. Hop. Il cherchait une discret. Et du coup, ça fait quoi, un avantage? Oui. Ça. Hop. Je suis une bête en discrétion, tu vois, c'est... Non, c'est pas possible. T'as pas fait le test, hein, si? Regarde le sourire de Stéphane. Regarde le sourire de Stéphane. Il a fait le test, mais là, le sourire du MJ, c'est pas bon signe. Il bave, il prend un plaisir, là, il est à la limite de l'érection. Le mec, avec un avantage, il a fait 1 et 2, quoi, tu vois, c'est ça. Ah, il a un petit pédalus d'armure, tout ça, quoi. Alors, du coup, effectivement, tu te sens protégé par ton camouflage Bah, je suis pas spécialement camouflé, je fais surtout pas de bruit. Je fais pas de bruit, etc. Je me suis figé avec... Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît, dans la tour cachée. J'utilise mon inspiration. Le mec, il est caché derrière un arbre, tu sais, mais il y a la queue qui dépasse, hein, le sandrago. Ouais, c'est ça. Le casque. Il envoie des petites bouffées de fumée. User in your channel timed out. Ah, déconnexion. C'est Antoine. Antoine. Il a été déconnecté du jeu. Il remet ça. Tant qu'il aura pas de webcam, ça déconnectera régulièrement. Ah, bah de toute façon, j'ai fait en sorte que sur le. sur le TeamSpeak. Hein. Est-ce que vous me disiez encore? Bah, que de toute façon. Il faut pas appuyer sur la croix. Hein. Que tu seras toujours déconnecté parce que tu n'as pas de webcam. Mais ça n'a rien à voir. Bah, si. Oui. C'est ce que tu penses. Je vais faire un jet, moi, de mon côté. Le jet d'attaque. C'est déjà fait. Directement. On s'occupe des dommages, là. C'est pas faux. Subitement, tu vois des griffes apparaître dans ton champ de vision. Tu comprends pas pourquoi. Alors, t'as fait combien? Il faut que je fasse un jet, moi, de mon côté. Ça va être ça. Oh. Ah, tu entends... tu entends clairement quelque chose derrière toi et tu te retournes et tu vois un ours sur ses deux pattes qui te grogne dessus, quoi. Bah, tous les autres, vous êtes réveillés. Hein. Moi, je grogne aussi. Hein. Et il essaye de te mettre un coup de patte. Alors, je vais faire un... Je vais reprendre le point. J'ai pas de réaction. J'ai rien en réaction. Je vais faire... Hop, par contre. Essayer d'organiser. Combat tracker. Il est là. J'ai enlevé ça. Paf. J'ai même pas une petite action bonus, rien. Ben non, j'ai fait... Je m'y attendais un peu quand même. De quoi? Est-ce qu'il y ait quelque chose? Ouais, mais t'étais... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Pas à 50 cm de ton visage, quand même. Ouais, alors par contre, ce que je vais faire... on va faire un campement ici. Voilà. Pourquoi ah oui, on n'est pas parti loin, en fait. Hein, de... Bah non, mais parce que j'ai pas de... non, t'inquiète pas. J'ai pas de carte. Il n'y a rien qui ressemble plus à de l'herbe qu'à une autre carte avec de l'herbe. C'est ça. Quoi, t'as pas préparé des cartes pour les combats aléatoires? Non. Je suis déçu. Sur Drive RPG, il y avait un petit lot de cartes. La somme modique de $40. Ouais, mais c'est pas tout de l'acheter, il faut préparer le module, ouais. Ah bon? Ah, ah.
Ça s'importe pas comme ça à l'arrache. Il peut. Mais... C'est là où ça merde. Ça pas trop d'intérêt. Encore un ours. Oh ouais, là, c'est un ours. Ocan. Ocan, c'est ton pote. Mais c'est trop beau. C'est un ours, quoi. Non, non, là, je peux pas. Je suis pas. Je suis fatigué, là. Là, je suis fatigué. Ah, vous me fatiguez avec vos ours. Ocan, c'est pour toi. Je vois bien Ocan, il lève un œil, tu es encore un ours pour chier. Ocan, c'est quelqu'un qui vient te chercher. Je suis en train de me coucher, j'en ai marre des ours. Attends. Ouais, j'ai ah, t'as de la chance. Bah oui. Bah non, c'est normal. C'est comme ça qu'on joue Ocan. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez... Tiens les initiatives, s'il vous plaît. Ah bon? On n'est pas surpris. Et... Où est l'initiative? Bah lui, il a attaqué et après. Oh bah c'est pas terrible. Oh, on est rapide hein. Oh non, je suis ami, hein. Bon. Ah, qui c'est qui dormait avec son armure là? On va en cuir, ouais, toujours. Ok. Ça me dérange pas. Moi j'étais debout. Hein. Toi t'étais debout. Putain, je suis le dernier à jouer quoi. Ouais, mais t'inquiète pas, t'es le premier à prendre. Bah, c'est à Ocan alors. Ocan bah, à cette distance, je peux taper, c'est bon. Je me mets là. Oui, c'est bon. Je ne. Tu te mets mais derrière non. Moi pour me soigner, c'est ça? Non, je me mets à... je me mets au niveau de. Pour qu'il ait le choix. Je ne peux pas me mettre en rage, je suis content. D'ailleurs, je vais t'enlever alors. Voilà, merci. Je vais éviter de faire une attaque téméraire, je pense que c'est pas une bonne idée. Puis je vais essayer de toucher déjà pour commencer. Je vais me prendre une baffe. Le fumble. Non, je suis à côté, non. Oh, tout le temps. Oh, ça touche. Oh, bah, de ça. Fou. Allez. De fou. Allez, le max. Fais un screenshot. Oh, bah c'est bon ça. Ah, voilà, c'est bon ça. Bon, c'est que la moitié sur un des 12, mais... Et j'ai une erreur vidéo client, erreur d'application. Je sais. Sur quoi ? Tu es à déco de TS en webcam. Oui. D'accord, ouais, mais ça, c'est juste ça qui a planté. Elle a pas supporté les dégâts que t'as fait. Ouais, c'est pour ça. Jacan. Ouais, il a envie de faire un mouvement de jeu. Genre, je bondis. Réveillez-moi quand ce sera fini. D'accord, tu passes ton tour. Vidéo. Ouais, ben, je sors ma rapière. Je fais un petit déplacement, pof, en petite sournoise. Pof. En petite sournoise. Non bah, attaque. Je ne touche pas. Ah, c'est une petite sournoise, ça, t'as vu. Action bonus, je me désengage et je... ouais, je me désengage. Ah ouais, mais si tu touches pas... Ouais, je me désengage là, au cas où. Ouais. Tu voulais pas rester au contact? Non, ça me disait pas. Pourtant, ça offrait plus de choix à l'ours, c'était mieux. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. T'as pas vous le sens du service, serez, quand même. Vous serez un peu plus mal, je donnerai à ma personne, mais... Ocan, l'ours essaye de te mordre. Ah, bon, il a reconnu un ami. Pourquoi, moi? Bah, parce que c'est les GFD. je les ai pas vus. Yes. Oh. Et il donne un coup de griffe à... Ah, merci. Un fier argent. Quoi? Et voilà, par il contre, touche. Je touche. Oh, putain. Ah, il faut... Mais bah, quel sourire, Vincent. Les voix de Bahamut sont impénétrables. Ouais, tu prends un méga coup de griffe. Ça te rappelle quelques souvenirs. Ah, les ours, ils t'aiment pas. Hein. Franchement... Et pourtant, il y a eu un... Hein. Bah on est réveillé donc, tout ça. Ouais. Non, mais c'est une bonne tactique hein, quand je peux pas me protéger. Tu viens. Ouais, il a fait devant, la ouais. Moitié de CD. Hein. Ah, l'explosion vient exploser dans l'ours. C'est ça, passer. Parce que j'ai pas le temps de préparer mon épée. Hein. Que la moitié, j'ai fait. Faut un repos long. Hein. C'est ça. Alors, magique. Allez, vas-y, fier argent, lâche-toi. Bah, je vais taper. Je ne sais pas. Des joueurs. Tu te désengages après, non? Oui, bah oui. Enfin, je me. Ah non, il peut pas. Là, il peut pas. Lui, il peut pas. Je suis pas de classement. Non, c'est pas. Non, tu sais pas. Ou tu te désengages et tu fais que ça. Soit ouais. Tu te désengages et tu t'en vas. Soit tu tapes. Quoi, ce jeu de merde?
Franchement, des dessins que j'aime pas. Pas réaliste. C'est pas réaliste. Mais non, mais. On meurt plus souvent. Oh, désengage. Désengage-toi, meurs pas. Pas cette fois-ci. On a besoin de toi, et toi aussi, faire. T'as besoin de toi. Ah, tu peux te soigner. Non, parce que c'est une action bonus. Ah. Ou une réaction. Je peux faire une action bonus. Action bonus ou une réaction. Et si tu peux en faire dans ce cas-là. Oui. Je voulais faire un truc. Non, bah rien. Hop, je passe mon tour. C'est à l'ours. Après, il a le choix là. C'est pas bon. Ouais, pas il se désengage. Il s'en va en courant. Cool. Potion. Non, mais je vais utiliser un sort. Allez. Mais oui, tu vas pas la récupérer. Tu vas dormir après, hein, si tu veux. Bah oui, c'est pour ça. Ah oui. Ben, comme l'autre. Oh. On entend le son du sort. Il y a une Ah bah t'as autant de sort que ça, bah ça. Ouais, et tu sais pas soigner la fatigue? Non. Non. Continue à dormir. Allez, bon bah tu reprends ton tour de garde, hein, Fierro. Bah oui, hein. Bah il a fini, là, son tour de garde. Allez, au pieu. Moi, de toute façon, j'étais toujours en train de dormir, hein, donc. Ça l'a même pas réveillé, tu sais. Encore un ours. L'île autour de Freeport, c'est quand même... On l'appelle l'île aux ours, hein. L'île aux ours. C'est ça. Alors que la carte s'appelle la carte des gobelins, hein. Donc, il est malin le MJ quand même. Ouais, hein. C'est pour tout ça pour vous dérouter. Fier argent, tu prends ton tour de garde. Tu vas me refaire un jet. Non, je déconne. Tu prends ton tour de garde et tu vas réveiller. Tu vas réveiller Zardrix. Car c'est à lui de faire son tour de garde. Non. Bien. Je me mets derrière Jacan. Allez, hop. Alors, bien, Franck, tu vas me faire un jet de pourcentage, s'il te plaît. Comment occuper vos joueurs quand vous n'avez pas de scénario? Vous mettez des ours. Les cartes aléatoires avec des ours. Je vais d'autres choses, je pense, parce que là, les ours, je commence à en avoir marre. Du coup, Zardrix, ton tour de garde se passe plutôt pas mal, et tu peux aller réveiller... Vido. Ah, Vido. Ouais. Fido, c'est à toi. Nous, on fait le plus sombre de la nuit. C'est ça. Voilà. Bon, à part effectivement les bruits qu'il peut y avoir dans une forêt, hein, des chouettes, des hiboux, tout ça. Des ours. Des ours. Tu vas me faire un jet de pourcentage pour voir s'il n'y a pas d'autres animaux qui vont arriver. Non. Juste un dragon. Je suis passé par là. Tu fais ton tour de garde, il se passe rien, et que je réveille quelqu'un. Qui c'est qui se frotte à son micro? Non, c'est mon micro qui a touché, moi. Je me frotte à mon micro. C'est le micro qui a bougé tout seul. Je me frotte à mon quand micro. Quand il est en manque de JDR, il se frotte à son micro. C'est quand qu'on joue. Est-ce que tu vas réveiller le dernier, c'est-à-dire Jacquin, qui est déjà bien épuisé? Non, j'ai fait un double tour. Hein. Fait un double tour. 8 heures. Ouais, je l'épargne. Mm-hmm. Il dort plus. Vous avez fait 2 heures chacun, ouais. Donc ça fait 4 fois 2, 8. Vous avez fait 8 heures. Donc j'avais dit qu'on commençait vers 11 heures. Ah, il y a des loups dans le coin. Ah oui, il y a des loups dans le coin, ouais. Ça c'est clair. Et les loulous. Et aux ours. Et tu commandes des loups après ta fricassée d'ours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un loup en sauce. Et du coup, il est 7h du matin. 7h30. Allez, quand vous vous réveillez. Il est frais comme des gardons. Frais, je sais pas, mais... En tout cas, le soleil se lève. Et nous sommes le 9, le lundi 9 juin, 17h30.
Prenez votre chemin. J'ai enlevé les cartes. Tu peux m'enlever un niveau d'épuisement, s'il te plaît? Je sais pas, t'as été gentil. Il a réclamé d'entrée. J'ai dit s'il te plaît quand même. Tu peux faire passer une journée, tout simplement. J'ai aussi faire passer une journée. Attendez. Ça lui enlèvera un niveau d'épuisement, non? Non, je crois pas que ce soit scripté. Non, j'ai regardé, mais... Non, c'est pas scripté. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, les MJ, quoi? Voilà, et finalement, le 2, il faut l'enlever, par contre. Il y a le 1 et le 2. Oui, j'enlève le 1. Le 2, pardon. Oui. J'ai enlevé le 2. Voilà, parfait. Il se fait quoi, un niveau d'épuisement, encore? Pas grand-chose. Des avantages. Sauf que tu te déplaces à la vitesse normale. Des avantages à tous tes tests, mais tu peux marcher normalement, maintenant. Voilà, le reste, on s'en fout. C'est pas jet d'attaque, si? Si. Ce serait pas drôle. Tu te souviens pas avec Oken? Non. Justement, il y avait pas de désavantage. Non. Le désavantage, c'est à tous les tests. Les tests de check de et de... Ah, de Karak, c'est bon. De Karak. Ouais. Oui, mais les compétences, entre guillemets, n'existent pas dans les D5. Oui. Ce sont des tests de Karak. Je remets la map que j'ai en foyer baladé. Donc tu vas nous paumer. C'est ça. Oublier les survies, les machines, tout ça, il va être nul. Mais on peut pas se perdre. Non, vous pouvez pas vous perdre. C'est marqué sur ma feuille, je peux pas me perdre. Impossible. Heureusement que c'est en partie narrativiste. Sauf par des moyens magiques. Alors attendez, parce que là je suis perdu. Ici. Voilà. Donc, vous avez traversé donc la piste en fait qui mène des villages des gobelins. Et vous êtes à peu près là en fait lorsque vous avez fait votre campement pour le soir. Donc il reste pas mal de route à faire. Même si vous êtes avantagé par un Jaqen qui connaît très bien l'endroit et vous n'avez pas besoin de chercher des pistes ou quoi ou qu'est-ce, vous avez même l'impression que c'est Jaqen qui fait les pistes en même temps que vous avancez. Donc, en tout cas, non, mais il est très habile. Ce qu'on lui demande de faire, c'est de trouver les plantes, le reste. En tout cas, je trace la piste pour le retour. Quelques 2 heures plus tard. Pour nous, au cas où tu reviendrais pas, toi. Par exemple. Quelques 2 heures plus tard, vous arrivez dans un endroit. Vous êtes assez étonné. Vous voyez une espèce de clairière, en fait. Où il y a plein de fleurs jaunes partout. Ah bah voilà. Alors je vous montre. Je suis pas concentré à ce que je fais là. Hop. C'est moi qui fais la map. Oula, elle est grande. Oui, c'est pour ça que c'est moi qui ai fait la map. Généralement. Et les fleurs en sont grandes aussi. Wow. Ouais, c'est des grandes fleurs. Ouais. Ouais, 1 mètre de haut normalement, si c'est ce qu'on espère. C'est le papier peint qu'il a chez lui. Tu peux la repartager, s'il te plaît, le papier peint, parce que. Je l'ai fermé. T'es trop grand, je l'ai refermé, c'est ça. Oui, c'est ça. T'es trop grand, je l'ai refermé. Alors, vous arrivez. Allez par là en fait. Ah oh merde, est-ce que quelqu'un peut bouger le pion là, de Jaqen? Oui. Ah, c'est bon. Alors, attendez, parce que moi j'ai une carte, je la réduise un peu. J'ai pas réduit les cartes.
C'est vrai que les fleurs sont en gros, je m'étais pas perçu quand j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Non, c'est bien. Et vous voyez qu'effectivement, voilà, y a une espèce de magnifique clairière avec un parterre de fleurs jaunes, en fait. Et vous sentez une odeur de jasmin, mais alors, ça pique presque les yeux, en fait. Ouais, bon, ça sent le jasmin aussi, ça Ah, j'ai l'impression d'y être, tu vois. Ma femme, elle vient de se mettre une espèce de crème là, je sais pas quoi là, elle m'a empesté là, le bureau là, pour son épaule. Une espèce de Saint-Paul là, ça daube. Elle te fait de l'odorama pour. C'est l'odorama. Pour le JDR, sympa. Alors, que faites-vous? Et quand on aura un aura, on arrivera avec un seau. Steph, tu peux repartager la carte s'il te plaît? Et je vais pas le faire 15 000 fois, hein. Bah, là, tu me l'as pas repartagé, hein. Si. Là, je crois que on a ce qu'il faut, hein, pour le carbone. C'est pas le carbone, ça, c'est... Tu t'as repartagé quelque chose, là? Si, normalement, c'est le carbone. On l'a, la feuille, hein. Moi j'ai rien du tout. Hein, normalement c'est le carabène, mais je suis un peu surpris que ça sente le jasmin aussi. Mais je te vois dessus, moi, donc elle est peut-être sous quelque chose, Vincent. Erreur de. J'ai tout fermé, Steph. Donc, et tu vas dans ton onglet images. Ouais. Et tu cherches la carte qui s'appelle Rencontre Clairière. Rencontre Clairière, ok. Plan Rencontre Clairière. Tu tapes dans le truc et tu devrais la trouver, quoi. Alors c'est plan, moins... C'est plan tiré. Ouais, espace, hein, tiré, rencontre clairière. Là, je vais bien te la repartager encore, mais... Est-ce que c'est bon? Non, attends. Ah ouais. Alors, putain, les petits écrans, c'est merdique. Ouais. Donc, je crois que c'est bon. Je l'ai récupéré. Ça fait 2 ans que Gaël te le dit, hein, mais bon. Bah, je vais ouvrir un Tipeee pour. Ouais. Bah, je donnerai autant de sous que vous m'avez donné. Bah, c'est bon. C'est bon, tu l'as? Ouais, c'est bon, je l'ai. Merci. Je vais prendre Corzi. User was moved out of channel switched. Quand, au moment où tu arrives dans la clairière, tu vois. Bon. T'as tes lunettes, non, ou pas? Bah, par défaut, normalement, je les ai, ouais. Ouais, bah, tu vois très bien planqué dans les arbres là. Tu vois au moins 6 gobelins. Qui sont munis d'arcs, prêts à tirer si vous avancez, en fait. Ils attendent qu'un truc, c'est que vous avancez dans l'espèce de clairière avec les fleurs. Là. L'arc est tendu et tout. Quoi. Ça marche? Ouais. User was moved channel out of your channel. Ah, t'es tout. On a rien fait. Il y a des gobelins cachés dans les arbres. Si on avance dans la clairière, ils vont nous tirer des flèches. Des gobelins cachés? Est-ce que tu as vu à quoi ils ressemblaient? Bah, des gobelins. Non. Tu sais qu'on a plusieurs types de gobelins. Il y a trois types de gobelins, Nounouille, si tu te souviens bien. Écoute... Cheveux dans les feuilles ou, oui, là, y a des os? Des pieds palmés, des pieds... Les pieds beaux et les pieds avec des corps, c'est ça? Absolument pas. Cheveux dans les cheveux, pieds bleus ou des os un peu partout. Pieds bleus, feuilles dans les cheveux, et le troisième c'est... Non mais là je vois pas suffisamment, ils sont cachés quand même. Pieds cornus et cornes et ossements sur leur tête. Bah on sait jamais. Ouais. Téléphone, Thérèse. Téléphone. Thérèse, téléphone. Téléphone Klingelt. Un démarcheur téléphonique, ça. À ce heure-là. Moi, par contre, j'en ai plus des démarcheurs téléphoniques, dis donc, c'est bizarre, hein.
putain, qui c'est qui envoie des coups de fil? On a 23h, quoi, sérieux. Bon, enfin bref. Excusez-moi. Bah, pas de mal. Bon, que souhaitez-vous faire? Une approche diplomatique ou une approche diplomatique, je sais pas faire, je suggère. Ou une approche moins diplomatique. Bon, bah, c'est des gobelins, c'est fou, là-dessus, hein. C'est simple, il faut les insulter pour voir si c'est bien les gobelins. Ils adorent les. Oui, oui. Ceux qui les. Comment dire? Oh, beau et grand chevalier. Non, ouais, voilà, non. Ouais, là, c'est pas les beaux chevaliers. Si, si, c'est une insulte. Ah oui, bah, on va pas les insulter, oui, mais... c'est les merdes. Ah, alors, merde. Alors, raclure des boîtes de ferme, on vous a vu. Espèce de race moquette à la noix. On vous a repéré dans les arbres. Bon, bah. Sortez de vos fourrés, bande de fiottes. Ouais, pardon, c'est ça. Pas de. Presque. Pas d'insulte. Sans pas ça. De... Donc, tu dis ça, en fait, tu dis ça? J'ai sorti mon arc à la main, mais je le brandis pas, quoi. T'entends. Un gobelin qui parle, qui une voix assez nasillarde. Si c'est pas la bonne tribu, on a Dalos. C'est quoi ces insultes? Pourquoi nous insulter? Ah oh, merde, c'est pas les bons. C'est pas des insultes. Vous êtes pas les pieds agiles? On vous voit pas d'ici. Ah non, on n'est pas la tribu des pieds agiles. Ah bah on croyait, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous faites ici? On fait passer. À passer? J'allais y passer au milieu de nous. On a les arcs bandés et tout. On voulait prendre des feuilles de kiraben. Allez-y, servez-vous, il y en a plein. Vous le sentez mal, vous aussi. Mon piège de balle. Les gobelins, ils sont au niveau des arbres ou ils sont sur des branches Ils sont sur des branches. Ah oui. Ils sont en hauteur, à peu près, à, je sais pas, on va dire, 2-3 mètres de haut, à peu près, dans les arbres. J'abats le premier arbre, là, qui passe. Ah non. Alors, donc, on doit pas attaquer. T'arrives déjà pas à battre un ours alors un arbre. Bah, donc, ça bouge pas. Puisque ça, c'est petit. Puisque eux, ils prennent des insultes pour des insultes. Ah, oui. Ce sont ni des pieds agiles ni des pieds véloces. Les autres, c'est ils ont des os un peu partout. C'est ceux qui sont agressifs. Faites-moi des jets en perception avec des avantages pour voir si vous arrivez à reconnaître ce qu'ils portent en fait. Avec des avantages. Sinon, on peut s'approcher des gobelins. Hein. Ouais, bah vas-y. Bah, de toute façon, il vaut mieux ne pas cueillir au beau milieu de tous. Hein. Ils ont choisi seulement... Perception de stay caché ou quoi. Pas Ouais, toujours. Toujours stay caché. Hein. Voilà, c'est magnifique ça. Ah zut. J'en pleure de joie là, quand je vois ça. La tour cachée. Bah, pardon. Avec des avantages, de toute façon. Bah oui, c'est pour ça que... Il me faut au moins un bon jet, quand même. Bah voilà. Ça c'est fait. Ah mais attends, avec mes lunettes, normalement j'ai un avantage pour tout ce qui concerne la vue. Oui. Bah vas-y. Donc ça s'annule. Ouais, c'est ça. Du coup, je regarde ton chiffre. Ce que t'as droppé en fait. Oui, je regarde ce que t'as. Ok, d'accord. J'ai fait 1 et 2, d'accord. Attends, t'as fait 2 et 3. C'est les gens, ouais. Non, si c'est des pieds cornus ou... Ah, vous arrivez pas à... Avec les branchages et tout, vous arrivez pas à voir en fait ce qu'ils portent comme... comme tenue, quoi, en gros, quoi. Vous voyez rien. Oh, le mieux, ouais, de toute façon, c'est que c'est eux, hein. Bah... Tu crois que c'est des pieds cornus? Donc, bah oui, puisqu'ils prennent les insultes pour des insultes. Les autres, ils ont été habitués avec... Ouais. Eh ben allez-y, passez. Non, on veut pas passer, on veut prendre... Ah bah au revoir alors, faites demi-tour. On veut prendre des plantes. Ah bah allez-y, on vous laisse. Parole des gobelins. On vous laisse. Et vous voyez qu'apparemment celui qui parle lève la main comme ça.
Et d'un geste, en fait, tous les gobelins baissent leur arc. Bon, je commence à ramasser des plantes. Hop. Je sais pas si c'est les bonnes. On va voir si me tient. Ouais, on va peut-être pas tous ramasser des plantes. Ouais, en fait, peut-être pas tous en même temps, surveillez. Ok. Et puis, Zardrix, tu t'avances, tu commences à essayer de ramasser les plantes. Tu me fais un jet de constite, s'il te plaît. Constite. Ouais. DD12. Sauvegarde, c'est... Ah, oui. Ouais, c'est un jet de sauvegarde. Je viens de comprendre, il nous sert au d'appât, à mon avis. Allez-y. Et donc, qu'est-ce qui sort de... Je meurs pas. Qu'est-ce qui sort des plantes? Une araignée. Non, rien, tu cueilles une plante. C'est pas ce qu'on est venu chercher? Ben... Mais si, il nous a peut-être pas dit que la plante avait des problèmes. Ça ressemble, mais... Ouais, mais j'aimerais bien savoir si c'est bien ça, pas juste une plante qui ressemble. Ah bah tu me fais comme les champignons, ça, tu sais. Un jet de survie ou matériel herboristerie Oh putain. Ah bah tu es spécialiste. Oui, c'est bon. Heureusement que je suis spécialiste. Incroyable. Y'a pas de problème, c'est ça, hein. Cet homme est un professionnel. Hein. Okay. Excellent. Ouais, c'est bien ça. Bah je commence à en prendre un fou dans mon sac. Non, on peut être plusieurs à vérifier que c'est... on se trompe pas sur les fleurs. Bah faudra que t'avances et que tu reprends... t'en prennes une, quoi. Bah j'avance et j'en prends une. Tu me fais un jet de constit, s'il te plaît, DD12. Un jet de sauvegarde. Constit... Déjà, est-ce qu'elles font vraiment un mètre de haut en tige et tout ça, quoi. Ok. Donc ça, ok, je me suis approché, j'en ai pris une. Maintenant, ouais. J'observe, voir si c'est la bonne, mais je fais ça en survie parce que j'ai herboriste. Non, j'ai pas. Herboriste, t'as pas, mais fais un jet de survie. Je sais pas s'il y a nature dans le jeu là, dans les compétences. Alors ? Il y a nature. Non, il y a pas nature. Non, il y a pas nature. Il y a pas nature. C'est nature en fait, hein, c'est pas, c'est pas survie. Bon alors. Bah apparemment, c'est pas du tout ça. Mais non, c'est pas du tout ça, tu t'es trompé. Les autres, vous faites quelque chose ou pas? Moi je surveille. J'ai toujours l'arc à la main, je regarde en haut. Ah, je fais un tour de jeu en fait. Et vous entendez, vous entendez les rires des gobelins. De notre gueule en plus. J'ai quand même un doute que ce soit les bonnes fleurs. Hein. Ouais, oui. Fierargent, tu es à l'avance, c'est ça? Oui, mais pas à l'endroit où il y a les fleurs. Ok, d'accord. Tu me fais un jet de constit quand même, s'il te plaît, des D12. Oh. Un jet de sauvegarde. Un jet de sauvegarde, ouais. Ça change quelque chose? Oui, parce que tu... t'es pas... Non, mais pour Fierargent. Tu peux avoir des bonus. Chapeau, le jet de sauvegarde, du coup. Bah, si t'es pas ton sauvegarde de maîtrise. Si c'est pas maîtrisé, forcément. T'as moins de points. Non, mais c'est où? Bah, dans le général, Gaël, colonne de gauche. On maîtrise la puissance d'arrière. Ou non, colonne de droite, pardon. Colonne de droite, oui. Ah, c'est ça, c'est la colonne de droite, d'accord. JDS. Voilà. Ça bouge. C'est bien, on va pouvoir voir réactiver son module juste avant moi, c'est méchant. Hein. Ouais, je sais. Tu m'en veux. Hein. Ah, vous entendez les rires d'un gobelin? Donc on va voir l'effet que ça a. Bah, vous voyez, il tombe. Le nez dans les plantes. Bah, je vais le chercher. Et je vais le tirer hors des plantes. Tu me fais un geste, s'il te plaît. Un jet de quoi? Un jet de constit. Sauvegarde de constit. Sauvegarde constit, DD12. À mon avis, je resterai pas là. Ouais, c'est clair. Et vous voyez, alors que Okan se dirige vers Fier Argent, vous voyez Okan tomber. Bam! Sur Fier Argent. Il s'empale. Il s'empale, ouais. Alors, j'en ai pas dit bien aussi. Vu que ce sont des costauds, etc., qui tombent, je n'y vais même pas. Initiative, s'il vous plaît. Même nous. Bah, faire argent 200 kilos, moi je peux pas le tirer. Hein. De toute façon, on va dire. Putain. Après les ours, on s'est fait violer par des gobelins, quoi. Ah, ça change au moins.
Donc vous entendez le rire des gobelins et surtout vous entendez aussi les arcs se bander et vous entendez... Rapide les solos. Ouais, ils sont rapides. Par contre... Moi, je reste couché derrière les plantes du coup. Pareil. Vous êtes je vous mets prone parce que vous êtes prone tous les deux. Donc prone. T'es caché par aucun hein. Qui t'est tombé dessus. C'est pas la faute. Prone. Ce qui est important en fait, c'est surtout la durée que ça va prendre. Prone. Dure 20 rounds. Allez. Je faut qu'on tienne 20 rounds, les gars. Ça commence par un P. En français, c'est quoi prone? C'est. À terre. À terre, d'accord. Prone. Prone. Et donc, je vais jeter un dé de 6 qui sera en fait en nombre de rounds pour d'abord allez, fier argent. 6 pour fier argent. Et 6 pour un calme. Vas-y. Je mets ça dans. Donc L'argent il a trouvé une auberge au beau milieu des fleurs. Il rêve de couscous. Ou de choucroute. Et pour Okan. Vas-y 6. Ah Alléluia. Il y a quand même une différence de traitement, hein, c'est clair. Et ben c'est pas encore à ce combat-là qu'il va utiliser son inspiration. Hein. Bah, j'ai déjà consommé. Il l'a déjà consommé. Hein. Oui, déjà... Ah bon ouais, 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 tu peux la récupérer. Il est sauvé d'un ours à 50 cm de sol. Qui a quitté le. Ouais, qui c'est qui est parti? C'est Franck? Ouais. Ouais. Ouais, c'est Franck. Franck, t'es parti? Bah, tu peux crier. Hein. Franck, t'es parti? Je suis parti, je suis revenu. Ah, t'es revenu. Je suis revenu. Tu voyais que ces petits êtres vils et dégueulasses tirent ça, dessus. Tirent sur les personnes qui sont tombées au sol, et ils en rigolent. Mais bon, ils sont pas très doués et du coup forcément y a une flèche qui tombe juste à côté de Fier Argent mais voilà, loupé. Alors hop, je vais faire ça et je vais faire. Ah bah c'est encore à moi. Un gobelin qui est juste à côté de Jakan en fait, hein, qui est dans l'arbre là, on le voit, hein, qui tire sur Okan avec son arc. Une petite avec sa flèche. Il touche. Il est à terre, il est désavantagé. Hein. Il est à terre. Justement, il a un désavantage pour toucher quelqu'un. Oui, je suis en désavantage et c'est pour ça que j'ai droppé un 18. Tu te prends une flèche dans le cul. Tu vas voir, il va brûler lui. Vidéo, tu vois ça? Ouais. Moi je tire avec mon arc. Par contre, je tire sur lui. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis assez loin? Est-ce qu'il est? Sur lui, je vois pas. Qu'est-ce que ça donne? Sur lui, je vois pas. Et dans les arbres, t'as un désavantage. Dans l'arbre au-dessus. De toute façon, vous avez des désavantages. Hein. De toute façon. Ah, ben non, mais c'est marqué de toute façon. Hein, j'avais marqué. Ils sont 50% dans un. Non, non, mais ok, mais c'est juste. Il a rien de plus, de moins ou. Moins quoi? Je sais pas, je peux lancer là maintenant? Bah ben oui. Ok. Bon, ben c'est un 5 qui miss. Ouais, ta flèche qui se vient se planter dans une branche. Alors bah c'est à moi. Et il essaye de. Avec son arc. Il tire sur les deux là, qui sont en train de dormir paisiblement. Il tire sur Fier Argent. Et il loupe. Lui, il fait rien. Il est trop loin pour tirer. Jacqueline, à toi. Eh ben, je vais lancer en action bonus une flèche, une marque du chasseur. Déjà, puff. Et je vais tirer sur le gobelin le 6, a priori. Je mets un désavantage. Ouais. Hop.
Avec des avantages, je fais quand même 23. Tu viens de dropper un mec. Adieu le critique. Mais... Ah bah, pour faire un critique, faut faire quand même 2-20, hein, c'est pas évident. C'est ça, c'est pas évident. C'est ce que j'ai fait pour faner la peau de l'ours. Tiens! Bam! Voilà. Flèche, un mort. Un vrai sniper. Tac. Ça, c'est du rôdeur. Et puis je me déplace vers l'autre. Bon, qui c'est qui a dit bonne nuit? Fais gaffe où tu te déplaces. Salut hein. Alix. Ouais. Mais je me demande, parce que je suis misé contre le sommeil magique, mais ça a pas l'air d'être ça. Il y a Alix et Zoé. Il faut faire un désavantage. Ouais, un désavantage. Toi, moi aussi, je vais drop un mec. Oh là là. Tu nous gâches, tu nous gâches. Ça suffit pas là. Ah, ça suffit pas. Bah, c'est moyen, rigole moins déjà. Ouais, bah du coup. Tire sur Jacques. Ah, il te touche. Ha, tu prends une flèche dans le bras. Dans les prix. Non, on n'a pas de chance, il a fallu qu'on tombe sur la seule tribu qui est agressive. Aucun il dort. Aucun il passe, il dort. Ouais, eux, ils font rien. Fier argent, il dort. Paisiblement. Ouais, je me réveille. Et c'est au gobelin qui est là qui fait rien. C'est à Zardrix. Il a pas fait mine de s'enfuir, hein, l'autre sur qui j'ai tiré. Non, non. Bon, tant pis pour lui. En même temps, il est en noir, bon. Ouais, bah, fumble, du coup. Oh ! Allez, votre genou craque. Ouais, t'avais pas vu, mais t'étais. Déplacement réduit d'un quart. T'étais pas bien placé, en fait. T'étais à moitié sur un espèce de tronc d'arbre qui. Petite branche, en fait, hein, qui a roulé sous ton pied. Et je crois. Ça aurait pu être pire. Et du coup. Et les attaques contre moi en mêlée, mais en mêlée, ont l'avantage. Ouais, votre déplacement est réduit d'un quart jusqu'à ce que vous preniez un repos court ou que vous receviez une guérison magique. Les attaques de mêlée contre vous ont l'avantage. Ça va. Okan, tu te réveilles. Je peux me relever et tirer fier argent. Ouais, tu peux. Ok, je me relève et je tire fier argent. Et tu fais un jet de constitution. Pour le mettre hors de la zone soporifique. Oui, c'est ça. Ça marche. Donc t'arrives à le tirer et puis mais bon il ronfle. Hein. Je lui collerai une claque ou je peux ouais, non je peux pas lui en coller une. Non non. Là t'as tiré, tu l'as pris, tu as tiré sur vers l'endroit où vous êtes là. Un dragon, le sol est lourd. Et donc du coup, c'est à Jacan. Voilà. Bah, du coup, moi, je vais me mettre sous les arbres aussi pour qu'il y ait un désavantage lui aussi. D'accord. Ouais, parce que c'est pas facile de tirer vers le bas, hein. Ça, c'est clair. Et du coup, bah, je tire dessus. D'accord. Merde, je fais désavantage. Désavantage. Dans le fond de mon. Tac. C'est ça. Eh ben non, ça miss. Tu vois une de tes flèches qui part dans une branche. Mais le Medjus, au moins, il fait le combat avec des désavantages. Ouais, bah ouais. Nous-mêmes, avec nos fumbles, on n'a pas besoin de ça. Alors, Gobelin ici. Reste dans l'arbre. Celui-là, il est mort. Il a la chance qu'on foute pas le feu là pour rien, parce qu'on est porté avec le druide. Hein. Et il essaye. Alors, je suis en désavantage. J'essaye de te tirer dessus. La canne à coup de désavantage et je loupe et c'est à Vido. Ouais, moi je me rapproche en passant bien loin de champ. J'essaye de tirer sur celui-là
75 feet, ça, c'est bon la distance? Largement. Largement. J'ai pas mis des avantages. Désolé, je le refais. Dommage. 75 feet. Il sera droppé. Ah oui. T'as attaqué combien de fois? J'ai cliqué, mais ça a fait deux fois, c'est bizarre. Non, c'est le 20 qui a du critique qui s'est mis après. Mis après. Ouais, celui-là, c'est... je l'avais fait sans désavantage, on l'oublie. Ouais. Ouais, le problème, c'est que ça sauf qu'on l'oublie, je crains que. Non, tu peux le faire en normal. Je crains qu'il l'oublie pas et qu'il fasse le critique si je fais les dégâts. Il faut que tu cliques sur critique, c'est ça? Non, mais justement, non. Il faut que tu fasses d'un dégât, il faut que tu te mettes sur moitié, du coup, puisque ça va faire les critiques, ça va faire le double. Ah oui. Du coup, dans les plus et moins, Louis, tu vas. Ouais. Tu vas cliquer sur moitié en dégâts. Ouais, ça marche. Bien vu. Ça compensera, ouais. Poum poum. et il l'a pas fait, il a fait half. Ah bah si, oui, justement. Il a fait half, il a moyen. Non, justement, il a, ouais. Bien vu. Là, on voit les pros. Oui, hein. Une flèche bleue là. C'est moi, c'est pour lui montrer 75 feet. Ah, ouais, d'accord. Excuse-moi. Hop. Oui, mais c'est justement la distance que ça faisait, moi. C'est pour ça que je disais ça. Il me l'affiche la distance quand je. Il est dans les choux. Et c'est à moi. J'essaye de tirer sur Jacquin en désavantage. J'essaye de mettre mon arc correctement. Entre deux branches. Allez, j'y crois. Oui, en fait, c'est 80 feet en fait que ça je peux... touche. Tu te prends une 80 et 320. Tu te prends une flèche dans l'autre épaule, mais par dessus en fait, au dessus quoi. Pouh, elle vient se planter dans ton épaule. Ça fait mal ça. J'ai pas de jet de concentration en fait à faire là. Pour. Si t'es scripté ou pas. Le jet de concentration, tu maintiens quel sort? Bah, marque du chasseur. Eh ben, c'est qu'il est mal scripté, non? Normalement, tu dois avoir dans le script, il faut te faire un test pour la concentration. C'est bizarre qu'il n'y ait pas, quoi. S'il est fait sur toi, il faudrait que tu rajoutes point virgule, espace et C majuscule entre parenthèses. Alors attends, deux têtes, hein. Tu fais un espace, virgule. Comme ça, tu fais. Après le machin, c'est point virgule, pardon. Point virgule, espace et C majuscule entre parenthèses. Et ça va te faire le test de concentration à chaque fois que tu prendras des dégâts. Ils sont forts quand même. Ça fait quand même quelques années qu'on. Attends, pardon, excuse-moi, j'étais en train d'essayer d'ouvrir le truc en mode édition. Donc tu disais point virgule. Après ton script, il faut qu'il soit sur toi le script, hein, pas sur quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, c'est bon. Et ben tu mets point virgule. Espace, C majuscule entre parenthèses. Ah ouais, mais c'est un truc que je m'applique uniquement quand je fais des dégâts en fait, c'est pour ça. Bah, il faudrait que tu crées un autre effet avec juste le nom du sort point, qui s'applique pas sur toi. Bon, non, je verrai la prochaine fois. Hein. Donc, je. C'est pas comme s'il était informaticien, hein, garçon. Tu fais. Comment faire un jeu de concentration, Stéphane? T'es paresseux, un film d'informaticien. C'est une bonne question. Bah, ça, je suis d'accord. Il est où le truc à glisser et à coller pour avoir le. tu fais ça, un script, et pas un Celsius, une virgule, et le script, il faut juste que tu la marques sur toi, quoi. Et comme ça, quand tu jettes le marque du chasseur, tu te mets avec la durée, hein, tu la scriptes aussi, là, tu la marques. Comme ça, ça te fait le buff sur toi qui s'appelle marque du chasseur, et ça fera les tests de concentration automatiquement. Je vais te le faire, Antoine. Parce que là, c'est quoi? C'est marqué DMG. C'est les dégâts, 10 plus les dégâts, je crois. Ouais, parce c'est sinon, ça. Mais. Faut que je lui fasse un autre script en fait. Oui, tu fais un script qui est que pour lui, de la durée du sort. Alors attends, ajouter une action. Un effet. Et la légende du sort. Tu l'appelles Marc du chasseur, qui sache qu'il a l'effet sur lui. Ouais. Point virgule. C'est
Entre parenthèses, hein, c'est ça? Ouais, entre parenthèses. Et Antoine, en fait, c'est quoi le, ce sort? Ça me rajoute des dégâts, un des tirs de dégâts, en fait, quand je touche. Ah oui! Marque du chasseur, virgule, entre parenthèses. Bah là, de toute façon, avec le désavantage de la fatigue. Oui, si c'est majuscule, hein. Si tu marques c'est pas, majuscule. Ouais. Et la ça durée. Et la durée de son sort. La durée de ton sort. C'est combien la durée de ton sort, Pépère? Bah, c'est. Pfff, là, c'est énorme. Ça lui dit pas combien ça. Jusqu'à une heure. Une heure. Une heure, bah, voilà, une heure. Ouais, une heure. Voilà, c'est bon. Et ciblé. Sur soi. Sur soi. Ouais, voilà, c'est bon. Comme ouais, ça, il bon. Se fait l'effet sur lui, plus l'effet quand il fait les dégâts. Ouais, donc en gros. Ben moi, je l'ai pas scripté comme ça, hein. C'est pour ça. En plus, c'est plus facile. Ouais. Tu peux tout scripter d'une phrase normalement, mais bon. Voilà, parce que là, je vois que t'as pas l'effet du chasseur en fait sur toi. Là. C'est normal, en fait, je l'applique que quand je fais les dégâts en fait. D'accord, ok. En fait, normalement, tous les sorts en concentration, il faut rajouter un effet sur toi de la durée du sort avec le C majuscule entre parenthèses. Et voilà. Ça automatise les jets de concentration. Voilà, c'est bon, je vais. C'est à qui? Ouais, mais du coup, je l'ai pas fait manger. Ah oui. C'est basé sur quoi, t'as. Attends, je regarde. Hop. Désolé pour le problème technique. Ah merde, je crois que je le remets. Je l'ai mis. Oui, parce que je te vois pas ton effet. Ah, merde, c'est disparu. Ah voilà. Ah, ok. Gna gna. Je vois pas où c'est. Concentration, ok, d'accord, mais. C'est basé sur quoi? Je crois que c'est un jeu sauvegarde de concite. Je veux pas dire de conneries. C'est quoi, c'est dans les règles? Tu veux savoir ce que c'est? Ouais, parce que je sais plus en fait. Ouais, ça c'est à force de jouer avec les. Avec les trucs scriptés, ouais. Avec les scripts, on connaît plus les règles. C'est dans lancer des sorts, hop, dans les incantations portées. Ouais, par contre, vous connaissez bien les scripts, hein? Ah bah ouais. Et ouais c'est un métier, là. Monsieur. Ouais, des pros. Ouais, j'ai essayé de chercher sur votre DD. Mais... Concentration. Tac, on s'en fout. C'est un jet de sauvegarde constitution, c'est ça. Ok, d'accord. Le DD équivaut à la moitié des dégâts reçus avec un minimum de 10. C'est DD de la moitié des dégâts reçus. Ouais, donc 10. Ah, vas-y. Bah, de toute façon, je vais rater. Voilà. Tout ça pour ça. Donc j'ai plus effet. Ok. J'ai noté. Mais une fois que c'est scripté, c'est super. C'est à moi. Pour la règle. Mais il a déjà agi, lui, non? Mais lui, il est trop loin, donc il fait rien. Il a pas agi. Non, il n'y a pas agi. Donc c'est au can. Mm-hmm. Tu fais quoi, du lâcher de achat de main? Ah, peut-être que je peux faire ça, attends. La distance, c'est quoi? Une javeline. Sur 120, c'est ça donne quoi 30 feet. Combien de cases? 6 cases. Attends. Beaucoup. Tu fais une flèche, non? 6 cases minimum. Ça fait 6 cases. 50. 30 feet. Et je lui balance une javeline dans la tronche. Au gobelin qui est en train d'agresser Jacan. Ouais. Vilain gobelin. C'est parti. T'as pas mis de 10 ans, toi. Tu me relances le dé? Ouais. J'ai d'attaque. Avec des avantages. Ah, pardon. C'est pas grave, fais le pas. Tu refais un jet normal. Fait et puis, on fait un jet normal, on va prendre un dé. On prendra le pire.
Je te mets le désavantage et j'en fais non, le jet. Non, tu fais pas le désavantage, tu jettes normalement comme t'as fait là. Ok. Je t'en prouve, là. Alors on va prendre les 18, c'est dommage. On est en train de perdre tous les 20 qu'on a fait de la soirée, ça s'est fait sur la partie avec un désavantage. C'est dommage. Par contre, tu touches du coup. Par contre, tu touches, mais par contre, tu fais pas les dégâts tout de suite, tu vas dans le plus et moins pour mettre la moitié des dégâts. Plus et moins, moitié des dégâts, ok. Moitié. Ah non, dans les. Ah si, moitié. J'allais faire critique, mais non. Non. Et tu jettes pas ce que ça veut dire, moitié. Qu'est-ce ah bah. Que il a eu ses 2 de 4, sinon bah, c'est, ouais, bon. Non, c'est bon, ça l'a tué. C'est bon, hein, ça l'a tué. Un point suffisait. Et je vois pas les gemmes. Ah si, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Donc il tombe de l'arbre. Meurs pour le tueur communiste, l'un dit l'autre. Il est où à toi? C'est vrai que c'est mal foutu parce qu'en fait, quand tu sais le truc sur les critiques, ça l'écrit effectivement avant. Ouais, alors donc, ben ça c'est mort, ben, je continue sur l'autre là-bas. Hein. Désavantage. Par contre, faire la moitié des dégâts sur un critique, c'est pas juste parce que normalement, il y a que le dé qui est doublé, pas le bonus. Pas le bonus. Ouf. Un peu. Il y en a qui est mort. Un peu chaud quand même. Il le compte. Hein. Mais le MJ n'a rien dit, donc moi je laisse passer. Hein. Moi aussi, c'est valable. Jacan. Je me fais un soin. Ah ouais. Bien vu. Ah merde. J'arrive même pas à voir à cause de mon token, qu'est-ce qu'il y a écrit. C'est bon. Voilà. Tac. Ah, c'est pas mieux. Et après, je me déplace. Zarbrix, il mesure toute la carte pour ce temps-là. Où sont les cartes? C'est bon, j'ai fini de mesurer. Voilà. Je commence à me déplacer. En évitant le. En restant sous le couvert des armes. Ah ok, d'accord. Puis en évitant les feurs soporifiques en gros quoi. Bah les deux. Zarbrix. Je sais pas. J'ai vu qu'ils avaient des problèmes de portée. Alors, je tire sur celui qui est plus loin vers lequel va Jacan. Et ça passe a priori. Ça passe. Et je lui jette une explosion occulte sur le vilain gobelet. Ah bah voilà. Il tombe lui aussi. Là, vous voyez un des gobelins qui descend de l'arbre très rapidement. C'est argent. Bah je dors. Là tu dors. Jacan. Ah bah du coup ça a passé le gobelin hein, Stéphane. Ah merde. J'ai cliqué et que t'as cliqué, il y avait un gobelin derrière moi, tu l'as passé. Bah c'était celui qui était mort, hein, donc c'est normal qu'il se passe. Ah d'accord. Jacan à toi. Je suis à portée là du gobelin qui est encore dans l'arbre là. Attends, où ça celui qui est pas descendu. Je pense que ouais. Il y en a trois qui sont descendus là. Ah à la portée de celui qui est descendu là. 80 ça. Et qui est encore vivant évidemment. Oui bien sûr ouais. Avec des avantages hein, parce que. Oui bien sûr. Hop, un. Putain. Hop. Très beau jet. Super. Applaudis. Ok, à toi. Je vais suivre l'exemple. Ah non, bah. Ah si. Je vais suivre l'exemple de. Ah, tu te déplaces vers Jacan. Oui. Ok, en évitant les forces soporifiques et voilà, le tir des gobelins. Okay. C'est ça. Et je. Bah, de toute façon, ça suffit. Je peux pas aller plus loin. Je m'arrête au niveau de Jacan et je passe mon tour. Vidéo à toi. Ouais. Moi, je. Je descends là, genre en évitant les fleurs, etc. Et je m'appuie sur le sang dragon en lui disant tant bien, en gros.
Et puis je vise celui là-bas, 90 feet. Ah, je suis au-dessus du 80 là que me dit ma moins 2. Mon arme. Et je suis quand même en dessous du 320, donc moins 2. Moins 2. Donc 10 et moins 2. Hein. Voilà, c'est ça, t'as tête à 10 avantages et moins 2. Donc là, ça va être chaud là. Bon courage. Ça réussit ? Je mise. Ça mise. Ah, il y en a un qui aura pu, mais pas l'autre. Ah non, mais attends, je clique à chaque fois, mais en fait, il me le clique à chaque fois. Oui ! Bah, attends, je suis en train de dépenser plusieurs. Ok, ça marche. Quand je tire, il consomme mes flèches et moi aussi je consomme une flèche. Ah bah non, c'est automatique là, la dépense des flèches. Ouais, bah ça fait un bout de temps que je. Ah oui, non, mais si tu coches à chaque fois que tu envoies une flèche alors que c'est automatique. Bah je me disais, comment ça se fait que tu es déjà à la ligne suivante là, c'est quoi ce bordel? En fait, il balance deux flèches à chaque fois. C'est ça, ouais. Alors, bah oui, c'est le 10. Zardrix. Un vrai Guillaume Tell. J'en tire deux et. Des avantages. Bah, tu m'as dit qu'il y en a un qui était descendu. Ah, il y en a encore un dans l'arbre et l'autre qui est descendu. Mais comme il est à couvert, il y a les rochers, machin. Il y a le désavantage aussi. Il y a le désavantage aussi, ouais. Bon bah, je tire là. Hop. Ça rate. Alors attends, donc en fait, il y en a eu combien de tirs? C'est celui qui est en bas. Ouais, celui qui est en bas. Il fuit. Ah, il fuit, ouais. Lui fait pareil. Il saute. Il descend de l'arbre. Fier argent. Bah. Oula. 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 C'est pas chez moi. Putain, c'est pas chez moi. C'est chez moi. Ça y est. Le confinement, ça rend dingue. Ils sont dans les tours. Ouais, bah, je fais rien. J'ai la même à la maison. Oui, je tapote toujours sur le front de fier argent, mais réveille-toi mon grand. Bah, je suis encore prone, hein. On est combien là? 5? Ouais, ouais. Bah ouais. Là tu dors bien, hein. Là tu fais des beaux rêves et tout, bah mute. C'est la technique jacane, j'ai remarqué. Elle t'aura pris un repos court au moins quand t'auras fini. ouais non, je fais rien. Ils sont en train de filer en fait les gobelins. Ouais, ils sont en train de filer, ouais. Moi je laisse filer parce que j'ai plus beaucoup de flèches donc... Eh ben, lui il demande pas. Bah, lui il est tombé. Pardon. Ouais, mais j'en ai oublié un là. Lui. Hop. Ah, bah oui, il est parti. Hop. Zardrix. Eh, ne revenez pas, salaud. Je les insulte. Ok. Et je tiens, hein. Je les insulte, je tiens. Ah, ok, d'accord. Je les loupe, je m'en fous, je les reviens pas, mais. Ok. Voilà. C'est histoire de leur faire peur. Je me déplace. Tu te déplaces ? Elle est où ? Ah mais t'es là-bas au fond toi, ouais. Mmh. Ouais non, je vais rester sous le couvert des arbres et puis je... voilà. Fais gaffe qu'il n'y ait pas d'autres pièges. Non, ben on m'a pas arrêté, donc tout va bien. Oh bah lui, il se carapate. Hein. Et vous... Reviens ! Voilà. Donc tous les gobelins sont morts, vous avez réussi à les terrasser. Bravo. Bon combat. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Il s'est passé quelque chose ? Ouais, au bout d'un moment, bah, effectivement, tu te réveilles. D'ailleurs, moi je boite et il faut absolument qu'on se repose une paire d'heures. Ben vas-y, hein, va sous les champs de, ouais. De fleurs et puis voilà. C'est vrai. Non, je suis immunisé au sommeil magique. C'est ça les elfes, c'est cheater les demi-elfes. Mmh. Ouais, bah, je propose qu'on s'arrête là-dessus. Mmh. Ça marche. Et la suite dimanche. À la suite dimanche, j'ai encore de la matière. Tiens, on s'est réveillé. Oui, t'as encore quelques fleurs et quelques plantes. Ouais, j'ai encore de... Encore de la matière grise. Une, deux, trois... Bah, y a encore deux tribus de gobelins, un étain, une meute de loups, et une meute d'ours. Ah, j'ai encore de quoi tenir au moins, avec la séance de dimanche, encore trois séances. Donc, Tu multiplies par 5, donc ça fait 15. Non, mais là... Ça fait qu'une semaine et demie, ça.
Donc du coup, je vais avoir le temps de préparer. Alors, je prépare, mais je prépare sur FGU. Hein. Ah ouais. Mais pour ça, c'est sur FGU. Ben, on va pour ça la campagne. C'est comme vous voulez. Ah bah oui. C'est comme vous voulez, puisqu'on joue beaucoup avec des donjons et tout. Donc si vous avez foutu des notes, ça va être... Non, arrêtez, ça saute. Je le fais sur Word. On le fait les notes à côté, donc c'est pas gênant. Je vous conseille de récupérer vos notes si jamais vous avez des notes, hein, parce que je vois que... J'en ai. Antoine en a mis, Louis aussi, ainsi que Franck. Ah bon ? Ouais, il y a beaucoup de notes, quoi. Ah oui. Enfin, les captures d'écran. Donc voilà. Les bateaux, je crois que je les ai. Ouais, les indices. Ouais, mais je crois que c'est des trucs que je mettais mais que j'avais ailleurs. Je crois qu'on peut récupérer. Ah, ça c'est des liens au plan. Ouais, il y a des liens. Il y a les faiseurs d'oubli avec la liste, la recette pour retrouver la mémoire. Hein. Oh, ça c'est nous. Donc bon, je. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça. Ce que je ferai, c'est que je reprendrai les notes. Je les mettrai. Il y en a pas beaucoup quand même des trucs. Ouais, parce que quand c'est à quelqu'un d'autre, on peut pas récupérer comme ça. Non, mais en fait, ce que je les mettrai en public, comme ça tout le monde les verra. Sauf peut-être pour Antoine. S'il a des trucs assez. Ouais, c'est ce que je regardais en fait, mais non. Moi j'ai juste fait des captures d'écran, voilà, hop, des notes, hein, c'est fait. J'ai les notes de personnalité là, mais je crois que je les ai sur le PDF. Il y a le background important pour Jacquane, donc je. Putain, oui, c'est vrai. Je ferai une note pour toi. T'inquiète, je sais comment. Avec le lien sur mon tatouage. Ouais, j'ai oublié que j'avais un tatouage, dis donc. Il faut absolument prendre la note des bateaux arrivés il y a 8 semaines, on sait jamais. Ouais, mais je le ferai. Se souvenir le nom du capitaine. Donc, ouais, si je prépare, déjà, ça va me prendre un peu de temps, parce qu'il va falloir que je regarde comment on fait. Je sais pas s'il y a des tutos, je crois qu'il y a des tutos. Pas dur, hein, sinon, je te dis, on se connecte. On se connectera pour que tu montres comment on fait. Il y a les mêmes modules qu'habituellement sur FGU. Non, et pour chaque module, chaque extension, il faut vérifier qu'elle se lance bien sur FGU, il faut vérifier qu'elle fonctionne. Ouais. Voilà. C'est pour ça que j'hésite encore à y aller dessus parce que. Si tu fais une extension d'image ou quoi, ça fonctionne, hein, comme ton fond d'écran, tout ça. Le seul truc, si tu veux modifier, il faut rajouter un bouton dans la sidebar, un bouton asset. D'accord, un bouton asset. En plus de librairie et jetons, tu as trois boutons, tu sais, dans la sidebar qui restent tout le temps. C'est les assets. Graphiquement, je vais pas me faire chier, je crois. Tu gardes celui de café. Déjà, tu avais testé toi le ruleset DD5 en anglais déjà. Est-ce que toi tu l'avais déjà testé ou pas? Oui. Ouais. Et en français? Mais il marche celui de sur Facebook là. T'as coupé un. Ah ouais, attends. Coupé. Désolé les viewers, c'est privé. Hein, voilà. c'est bon, j'ai coupé. Oui, donc sur Facebook, sur le truc de France à Harvey, là, ouais. Il fonctionne très bien, hein, son truc Unity 5e édition. Ah ouais? Oui, tu peux prendre son truc là. T'as déjà tout traduit en français ton écran. Bon, c'est du Donjon et Dragon. En plus, on joue à Donge, donc c'est bon. Ouais. Je vais récupérer ça. Moi, je vais faire des essais ce week-end. Là, je vais regarder ça. Ça fonctionne très bien. Et puis après, le seul truc, c'est que quand tu fais tes maps, il faut que tu rajoutes, tu sais, pour la lumière dynamique, les murs. Ouais. Et il faut rajouter, bon, ça va assez vite. Il faut pas se gourer entre murs. Objet de terrain.